tous les 2 ans, puis maintenant pas mal de temps. Et vous savez que c'est une occasion d'avoir des échanges avec vous et qui vraiment sont importants pour nous. Un petit juste renseignement sur le chat, parce que comme la Delphine vous l'a très bien expliqué, pour essayer de gérer les questions le mieux, parce que on n'arrive pas à gérer en virtuel les questions posées par le micro. Donc, merci de les poser par le chat, en sachant que pour le chat, un petit détail, si vous appelez sur la touche Entrée, ça renvoie le message et ça en génère un autre. Donc, ce qui fait que quand vous voulez que votre message soit en un seul tenant, après, on s'y retrouvera toujours, mais si vous voulez que ce soit en un seul tenant, tapez sur la touche Entrée qu'à la fin de ce que vous voulez expliquer. Ne vous inquiétez pas. Si une question est pas simple à écrire, ce sera l'occasion de vous donner la parole en direct. Donc c'est là où la façon dont vous êtes tous intitulés, c'est-à-dire que à un moment donné, je vois dans le chat qu'il y a un intervenant qui s'appelle iPad. Bon, bah, du coup, moi je serai obligé de dire iPad et la personne se retrouvera, se reconnaîtra pour pouvoir ouvrir son micro quand ce sera nécessaire si jamais ça l'est. Donc, ne vous inquiétez pas, on trouvera toujours le moyen que vous puissiez vous exprimer pour poser vos questions. Dans les questions que vous avez déjà posées en amont au moment de l'inscription, il y a beaucoup de choses autour des effets secondaires des médicaments, par exemple, et vous pouvez voir que ça a servi de trame pour que mes collègues élaborent le programme et le contenu de la réunion, puisqu'il y a une réunion enfin, des topos assez importants sur la thérapeutique. Et ce qu'on vous propose, c'est mes collègues Fabrice Camus, Christine Serratrice, Nadia Belmatoub vont faire leur topo et à la fin, on va aménager donc un temps de discussion, à la fin de chaque topo, on va aménager un temps de discussion assez large en essayant de répondre à toutes vos questions. Moi, mon travail, ça va être de faire le tri de toutes ces questions et puis pouvoir les transmettre à mes collègues. Donc, voilà à peu près ce que je voulais juste repréciser pour cette réunion. Et je vais laisser la parole à Fabrice Camus, qui est le président de notre groupe d'experts dans la médecine gaucher. Fabrice, si tu veux bien. Merci Marc. Fabrice Camus, moi je suis médecin à l'hôpital de Bordeaux et ben, je m'occupe effectivement de patients avec la maladie de Gaucher et puis depuis quelques mois j'assume la présidence du CETG. CETG dont vous avez probablement déjà entendu parler plus ou moins, sans finalement peut-être savoir qu'il fait partie d'un grand ensemble qui regroupe beaucoup de médecins et beaucoup d'entités. Donc en fait, le CETG, c'est un des 6 groupes du CETL, qui est le comité d'évaluation du traitement des maladies lysosomales. Et nous nous intéressons plus particulièrement donc à la maladie de Gaucher. Ce CETL est rattaché, lui, à la Société française pour l'étude des erreurs innées du métabolisme, la SFEIM, qui est une société savante médicale française. Et le CETL est également rattaché à la grande filière des maladies rares héréditaires du métabolisme. Donc vous voyez que le CETG est dans une grande nébuleuse qui s'occupe de beaucoup de maladies. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on est très content de travailler et de faire ces présentations aux côtés de VML, qui nous accompagne et puis qui est partie prenante dans tous ces groupes dont je viens de vous parler. Alors, le CETG en lui-même, c'est une association d'une trentaine de professionnels de santé. Donc, il y a des médecins, mais il n'y a pas que des médecins. Il y a également Delphine, par exemple, qui siège au CETG, donc qui représente les patients. Et puis, on a aussi des attachés de recherche clinique, on a des pharmaciens, et puis parmi les médecins, beaucoup de spécialités médicales, des biologistes, des spécialités dans les maladies du sang, des spécialistes plutôt de l'imagerie, de la radiologie, de la médecine interne, de la neuro, de la pédiatrie, bien entendu, puisqu'il y a quand même pas mal de patients qui n'ont pas 18 ans, qui sont donc suivis par des pédiatres, et puis également des spécialistes pour les maladies articulaires, la rhumatologie. Donc vous voyez, ce groupe de professionnels qui sont tous des bénévoles se rencontrent à plusieurs reprises au cours de l'année pour remplir un certain nombre d'objectifs.
Donc d'abord, nos objectifs, c'est d'améliorer le dépistage, le suivi, le traitement des patients qui sont atteints de maladies de Gaucher. Et les autorités de santé, la haute autorité de santé, nous a, depuis déjà un certain nombre d'années, missionné pour rédiger ce qu'on appelle le PNDS, le Protocole national de diagnostic et de suivi, qui est un ouvrage, en fait, un document de référence où nous avons regroupé nos connaissances en matière de traitement, de diagnostic, et puis ça donne aussi une trame de suivi. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes atteint d'une maladie excessivement rare, que peu de médecins connaissent. Eh bien, au sein de ce PNDS, qui est en libre accès sur le site de la HAS, on peut trouver les informations médicales nécessaires pour adresser les patients vers les centres référents, mais aussi faire réaliser les examens nécessaires et avoir tout simplement des connaissances mises à jour. Donc, on est en ce moment en train de travailler sur la nouvelle mouture du PNDS. La dernière version date de 2015. Donc, on a commencé à travailler. Les groupes sont en train de lire la littérature scientifique pour remettre à jour les connaissances et on espère pouvoir en fin d'année présenter à la HAS la dernière version du PNDS, donc 2021, qui, grosso modo, arrivera à la disposition de tous en début 2022. L'objectif aussi du CETG, c'est d'apporter un conseil et une expertise, notamment en matière de traitement. Donc, lors de nos réunions, qui sont en ce moment malheureusement virtuelles comme aujourd'hui, on discute de dossiers qui sont présentés par des médecins de partout en France, qui présentent le dossier de tel ou tel patient, et on discute l'intérêt de débuter un traitement et de discuter éventuellement quel type de traitement. On peut aussi apporter un conseil en matière de diagnostic ou d'examen complémentaire à réaliser quand il y a un problème particulier. Le CETG a aussi pour objectif de contribuer à la recherche clinique. Nous sommes tous, à des degrés divers, chercheurs. On est tous très attirés par une amélioration globale de la connaissance de la maladie. Et donc, à ce titre, on fait des travaux collaboratifs en France et on participe, bien entendu, également à des travaux européens, voire internationaux, de façon à mieux connaître la maladie, mieux la comprendre. Et nous participons très régulièrement à des congrès en Europe, en France, bien sûr, et puis au niveau mondial également, notamment le grand congrès qui s'appelle le World, qui est un congrès qui se tient aux États-Unis chaque année, où nous avons chaque année des communications, nous, équipe française, pour eh bien, promouvoir un petit peu la recherche et notre expertise à l'international. Le professeur Marc Berger, qui vous a accueilli tout à l'heure, est vice-président de la grande société savante WGGD, qui est la grande sœur, on va dire, du CETG, mais à l'échelle européenne. Donc, on a cette chance et ça nous permet d'avoir un partenariat tout à fait privilégié avec cette grande société européenne. Et puis, bien sûr, notre objectif au CETG, c'est de participer à l'information des patients. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et on est très heureux de pouvoir vous apporter un petit peu, partager avec vous nos connaissances et puis, vous le verrez aussi, nos incertitudes. Et c'est vraiment très important qu'on participe à ça et qu'il y ait un échange entre vous et nous. Ça participe, bien entendu, de la connaissance mutuelle et des besoins que vous pourriez avoir et qu'on n'aurait pas perçus, nous, depuis, nos hôpitaux, nos centres de consultation. Et puis, on a aussi, bien sûr, une obligation de rester en lien avec l'industrie pharmaceutique qui contribue à produire les médicaments, que ce soit les médicaments en perfusion ou les médicaments par voie orale. Nous participons au CETG à des essais qui sont proposés par l'industrie thérapeutique, donc des nouvelles molécules dont vous parlera Madame Serratris tout à l'heure, mais aussi les molécules qui sont déjà sur le marché et dont on veut évaluer telle ou telle efficacité ou telle caractéristique. C'est important aussi qu'une société de médecins bénévoles ait un pied ou du moins un contact avec l'industrie pharmaceutique. Ça évite des travers, ça évite aussi, ça permet en quelque sorte de contrôler un petit peu ce que l'industrie pourrait mettre en œuvre ou choisir de ne pas mettre en œuvre. Donc, on est très en lien avec l'industrie pharmaceutique. Ça ne veut pas dire qu'on a des liens d'intérêt, on n'est pas rémunéré par l'industrie pharmaceutique, mais
A contrario, l'industrie pharmaceutique contribue également, notamment en versant des subsides, à ce que nous puissions continuer à nous déplacer vers les congrès. C'est très important pour qu'on puisse communiquer, mais aussi avoir des contacts avec nos collègues dans le monde entier. Et puis, l'industrie pharmaceutique aussi permet de financer le grand registre français de la maladie de Gaucher, qui est géré en partie par le CETG et qui regroupe toutes les informations de façon anonyme des patients qui sont suivis, dans l'Hexagone. Alors après ces petits mots d'introduction sur qui nous sommes, rentrons dans le vif du sujet et donc passons à cette première partie qui concerne la thérapeutique. Donc dans un premier temps, moi je vais vous présenter le présent du traitement de la maladie de Gaucher, puis le docteur Serratris enchaînera sur les pistes qui sont actuellement à l'étude pour le futur du traitement de cette maladie de Gaucher. Alors vous le savez, c'est une maladie tout à fait exceptionnelle. On a à peu près, grosso modo, 500 personnes en France qui sont concernées par cette maladie génétique, dont vous savez qu'il s'agit d'une maladie de surcharge, une surcharge parce qu'il y a malheureusement un déficit enzymatique, c'est-à-dire qu'il y a une petite protéine de l'organisme qu'on appelle la glucocérébrosidase qui ne fonctionne pas parfaitement et de ce fait empêche l'évacuation par les lysosomes, qui sont une grande usine de recyclage que l'on a dans nos cellules. Eh bien, cette grande usine de recyclage fait appel à plusieurs enzymes successives pour détruire tout un tas de composants de l'organisme. Et finalement, comme il y a à un moment donné un blocage sur le maillon de la chaîne de recyclage de ces composants, eh bien, il y a un engorgement. C'est ce qui est figuré sur le petit dessin que vous avez à l'écran, où vous avez d'un côté la cellule normale, la cellule saine, le macrophage, qui est une cellule hautement importante dans notre organisme, puisqu'elle contribue à recycler tous les composants qui meurent et qui doivent bien être évacués. Et puis, à la droite, face à vous, vous avez la cellule de Gaucher, qui est un macrophage, qui est rempli de ces petites organites, les lysosomes, qui se sont engorgé notamment de ce qu'on appelle le glucocérébroside, qui est finalement en grande partie responsable des symptômes dont vous souffrez par cet engorgement des macrophages qui sont eux-mêmes gonflés de l'intérieur par ces petits lysosomes. Le plus souvent, cette maladie s'est installée très lentement, ce qui explique que beaucoup de patients ont un diagnostic très tardif et souvent après l'âge de 20 ans. On sait aussi, et on s'est rendu compte grâce à l'étude globale de grandes populations, que la maladie avait une expression excessivement variable. Certaines personnes peuvent avoir des manifestations dans l'enfance qui peuvent être très sérieuses, alors que d'autres personnes ne se seront pas rendues compte de la maladie avant l'âge de 60, 70 ans parfois. Et cette atteinte variable, elle entraîne très schématiquement quatre grandes familles de symptômes, vous le savez bien entendu, c'est d'abord l'augmentation du volume de la rate et dans une moindre mesure du foie. C'est parfois la survenue d'anomalies au niveau de la prise de sang sur les plaquettes sanguines qui sont généralement abaissées et également les globules rouges. Et puis cet engorgement des cellules peut aussi entraîner des manifestations osseuses par finalement un espèce de gonflement interne des os et qui peut craquer de temps en temps et provoquer des manifestations douloureuses, voire parfois ce qu'on appelle des ostéonécroses, notamment au niveau de la hanche. Et puis, très important, peut-être parfois trop négligé, un état de fatigue chronique que l'on constate tous. Donc, au-delà des éléments très objectifs de gonflement des organes, d'atteinte des globules ou de manifestations osseuses, il y a aussi ce symptôme absolument, clé dans la maladie de Gaucher, qui est cet état de fatigue chronique dont vous nous parlez régulièrement. Concernant les traitements, on en a deux types à notre disposition. Je m'intéresse bien sûr qu'au traitement spécifique de la maladie de Gaucher, puisque ça ne se limite pas à la prise en charge simplement à donner une perfusion d'enzymes ou des gélules, mais c'est aussi associer des médicaments contre la douleur, de la kinésithérapie, parfois avoir recours à des chirurgies. Donc aujourd'hui, on ne parle que du traitement spécifique, mais on pourra aborder les questions des autres traitements dans la session de questions tout à l'heure. Le plus ancien, le plus historique, le plus intuitif également dans la maladie de Gaucher, qui est un déficit en enzymes, eh bien, c'est le remplacement. C'est ce qu'on appelle le traitement enzymatique substitutif ou de remplacement, où on va
injecter par voie intraveineuse, généralement toutes les 2 semaines, l'enzyme qui vous fait défaut, qui permettra finalement de vidanger les cellules qui se sont engorgées progressivement au cours du temps. À côté de ce traitement substitutif est apparu il y a quelques années un traitement dit de réduction de substrat. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais il faut imaginer que la voie de dégradation dont je vous ai parlé tout à l'heure peut être détournée de façon à ce que l'élément qui devait passer par l'enzyme qui vous manque ne s'accumule plus. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour détourner la chaîne de dégradation, de recyclage qui passe par une chaîne alternative. Eh bien ça, c'est le traitement par voie orale. Si on schématise sur ce petit graphe ce qu'est l'absence de maladie, c'est un équilibre parfait entre la synthèse des produits de nos cellules et la dégradation par les enzymes. Dans la maladie de Gaucher, il y a un déséquilibre, la synthèse des produits est maintenue et la dégradation est déficiente. On a donc une accumulation, c'est le violet foncé, une accumulation de produits de synthèse. Les deux traitements à notre disposition sont donc l'enzymothérapie, qui est à peu près au milieu de votre écran, où vous avez une augmentation de la dégradation parce qu'on apporte l'enzyme qui manque. Et l'autre solution, c'est d'éviter la synthèse, d'éviter l'accumulation de produits, c'est la réduction du substrat. Dans les deux cas, enzymothérapie ou réduction de substrat, on atteint un nouvel équilibre qui évite les symptômes de la maladie de Gaucher. Il faut quand même souligner que près de 30% d'entre vous n'ont pas besoin de recevoir de traitement spécifique, puisque la maladie, comme on l'a dit, a une expression très variable. Et quand, dans certains cas, il n'y a aucune symptomatologie, aucun signe de la maladie, il n'y a pas de raison de donner des traitements. Donc, nous, notre rôle au CETG, c'est aussi de décider finalement quel est le bénéfice d'un traitement par rapport aux éventuels risques et aux effets indésirables dont on parlera tout à l'heure du traitement, et donc ne pas donner de façon inutile des traitements pour des personnes qui n'en ont pas besoin. A contrario, vous le savez, certains d'entre vous, les plus anciens, ont pu avoir une ablation de la rate, ce qu'on appelle une splénectomie. C'est un traitement qu'on proposait quand la rate était devenue très importante et qu'on n'avait pas encore à disposition les traitements. Aujourd'hui, en 2021, il n'est plus recommandé, sauf dans des cas très particuliers, de procéder à l'ablation de la rate. La rate, on la garde. La rate, si elle est grosse, avec le traitement, elle va dégonfler et on peut vivre très bien et sans rate, bien sûr, mais on sait que la rate est aussi un organe très important pour participer à la défense immunitaire, notamment vis-à-vis de certaines bactéries. Concernant les traitements à disposition, vous savez que 4 médicaments sont actuellement autorisés en France. 3 laboratoires fabriquent ces 4 médicaments. Le premier d'entre eux, l'historique, c'est Genzyme, qui s'appelle aujourd'hui Sanofi Genzyme. Je vous rappelle au passage que le mot Genzyme vient de gaucher. Enzyme. Donc, c'est vraiment un laboratoire qui, depuis le début de son histoire, a investi dans la maladie de Gaucher. C'est le laboratoire historique qui est un partenaire, bien sûr, privilégié du CETG, mais aussi à travers lui de ses des patients. Le laboratoire Genzyme fabrique et une enzyme, Cérésime. Ça, c'est son nom de spécialité. Le nom commun international, c'est imiglucérase. Et Genzyme fabrique également un traitement par réduction de substrat par voie orale qui a été commercialisé en 2015, qui est Serdelga, dont la dénomination commune est Eliglusta. À côté de Sanofi Genzyme, 2 autres laboratoires, l'un qui fabrique une enzyme concurrente dont l'efficacité est parfaitement équivalente à celle de Cérésime, c'est Velaglucérase, commercialisé sous le nom Vepriv. C'est le laboratoire Takeda qui commercialise le Vepriv, Takeda ayant racheté le laboratoire initial qui était Shire. Tout ça est un peu compliqué, c'est le monde de l'industrie pharmaceutique. Les laboratoires se rachètent les uns les autres. Vous le voyez, Genzyme a été racheté par Sanofi. On garde encore un peu le mot Genzyme, mais vous remarquez sur le logo que la couleur est devenue bien pâle et qu'on voit surtout Sanofi avant de voir Genzyme. Et puis, le quatrième médicament qui est commercialisé par le laboratoire Janssen, c'est le Zavesca, un médicament qui est devenu vraiment très minoritaire en France,
À l'heure où on parle, il n'y a plus que 5 personnes en France qui prennent du Zavesca pour une maladie de Gaucher, pour une raison essentiellement liée à son efficacité, qui est clairement inférieure aux autres médicaments, mais également pour des raisons de mauvaise tolérance. Beaucoup de personnes n'ont pas supporté de prendre ce traitement au long cours. Juste un petit mot pour le prix, prix qui, bien entendu, ne nous concerne pas directement. Ni vous, ni nous, les médecins, nous ne sommes pas, heureusement, amenés à faire des choix en termes de prix, mais vous le savez, et vous m'en parlez souvent pour les personnes que je suis, vous êtes parfaitement conscient du prix de ces médicaments. Je vous ai mis, à titre informatif, ce que représente à peu près chaque année le traitement d'une personne adulte qui pèse environ 70 kilos. Donc, on est dans un mouchoir de poche entre les médicaments par voie intraveineuse et même, vous le voyez, par voie orale, si on met à part le Zavesca, qui est un médicament vraiment peu prescrit puisque moins efficace et parfois moins bien toléré. Concernant la répartition en France des traitements, vous êtes un peu plus de 320 aujourd'hui à être traités. Ce sont principalement des personnes adultes qui reçoivent un traitement pour la maladie de Gaucher. Vous voyez que imiglucérase, sérésime, le traitement historique, représente environ 50% des personnes, suivi par Eliglusta, qui est devenu le deuxième traitement spécifique en France. Ça représente une petite centaine de personnes. Et puis ensuite, l'enzyme concurrente de sérésime, le Veprive. Et tout en haut, toute petite tranche du camembert pour le miglustat, donc 5 personnes seulement à ce jour traitées en France. Concernant ces deux types de traitements, je l'ai dit, la différence principale entre les deux, c'est d'abord bien sûr le mode d'administration. Les enzymes doivent être perfusées au travers d'une veine sur une perfusion que vous connaissez bien pour être la plupart d'entre vous traités par avoir été traités un jour par ce traitement. C'est de la plupart du temps une perfusion toutes les 2 semaines, mais certaines personnes peuvent avoir une perfusion toutes les 3 semaines, voire plus exceptionnellement toutes les 4 semaines, alors que le traitement par voie orale est un traitement qui doit se prendre tous les jours, et on sait qu'il est préférable de prendre le traitement en 2 prises par jour plutôt qu'en une prise par jour. Donc c'est une gélule matin et soir tous les jours. Concernant les indications, seul le sérésime, imiglucérase, a l'indication de toutes les formes de maladie de Gaucher, de l'adulte, de l'enfant, de type 1, de type 3. Le Veprive, vélaglucérase, n'a l'indication que pour la maladie de Gaucher de type 1, des adultes et des enfants. Et vous le voyez, Eliglusta n'a l'indication que pour la maladie de Gaucher de type 1, de l'adulte. Et pour le miglustat, c'est même encore plus restrictif puisque c'est réservé aux formes légères à modérées. Concernant les précautions d'emploi, rien de très spécifique à signaler pour les enzymothérapies. Il n'y a pas de contre-indication, sauf bien entendu le cas exceptionnel de l'allergie aux produits. Alors que pour les traitements par voie orale, on a un certain nombre de précautions d'emploi et de contre-indications. Pour Eliglusta, la contre-indication pour l'heure, c'est la grossesse, mais c'est aussi le fait de devoir prendre des médicaments pour d'autres maladies, puisque ce médicament Eliglusta peut entraîner des interactions entre les différents traitements que vous pourriez prendre. Donc, il faut être particulièrement vigilant quand on prescrit Eliglusta vis-à-vis des autres maladies que les personnes peuvent avoir et donc des traitements qui peuvent être amenés à prendre par ailleurs. On ne peut pas prendre Eliglusta sans avoir préalablement fait un test salivaire où on s'assure que votre organisme va être en mesure de bien tolérer ce traitement. Certaines personnes, c'est une petite partie de la population, 5% à peu près, ne peuvent pas recevoir Eliglusta parce que on va dire physiologie, leur foie n'est pas en moyen de correctement utiliser ce médicament pour être efficace dans la maladie. Donc, il faut faire ce test salivaire avant de pouvoir prescrire Eliglusta. Il a bien entendu, Eliglusta, des effets indésirables et je sais que beaucoup d'entre vous en ont expérimenté. Fort heureusement, ils sont assez rares. Dans les études qui ont permis d'autoriser Eliglusta à la commercialisation, on s'est rendu compte qu'à peu près 30% des personnes avaient au moins un effet indésirable en rapport avec Eliglusta, mais que cette proportion va diminuer au fil du temps. Les effets indésirables, c'est surtout des effets des premiers mois.
Après un an de traitement, il n'y a plus que 8% des personnes qui conservent encore des effets indésirables. Les plus fréquents, mais qui n'atteignent jamais plus de 10% des gens, sont les céphalées, et un certain nombre de personnes migraineuses ont pu avoir une recrudescence de maux de tête en prenant Eliglustat. Parfois, une sensation un peu de vertige, d'étourdissement, et puis il y a des troubles digestifs. Alors, pour ceux qui ont connu Miglusta, c'était des troubles digestifs qui étaient importants, pas mal de diarrhées notamment. Ce n'est pas trop le cas d'Eliglusta. Eliglusta, c'est plutôt des troubles digestifs assez hauts, et beaucoup de personnes ont rapporté des brûlures au niveau de l'estomac ou de l'œsophage quand ils prenaient ce traitement, surtout quand ils le prenaient en dehors des repas. Et puis, il y a aussi la problématique de la sécheresse de la peau. Il y a aussi des personnes, même certaines personnes, qui ont dû arrêter le traitement parce qu'ils avaient vraiment l'impression d'avoir la peau très sèche. Ce qui est rassurant, c'est qu'à ce jour, et on commence à avoir plus de 10 ans maintenant de recul, il n'y a aucun effet indésirable grave qui a été signalé avec ce traitement. En France, sur 121 personnes qui ont reçu un jour Eliglustat, 25 ont stoppé ce traitement. Alors, les motifs qui ont entraîné l'arrêt du traitement, c'était la lassitude. Bah non, finalement, moi, j'ai pas envie de prendre une gélule matin et soir. C'était la préférence du traitement intraveineux. Bah non, finalement, moi, je préfère avoir une perfusion tous les 15 jours et puis être tranquille le reste du temps et ne pas avoir à penser à prendre un traitement. Ça peut bien sûr être un effet indésirable. Il y a 11 personnes sur les 121 qui ont arrêté leur traitement à cause d'un effet indésirable. Et puis après, il y a des causes diverses. Il y a des jeunes femmes qui ont décidé d'aller vers une grossesse. Donc, ça n'est pas possible de prendre Eliglustat quand on est enceinte. Donc, il faut arrêter le traitement. Ça peut être parce qu'on doit prendre un autre médicament pour une autre maladie et qui n'est plus compatible avec Eliglustat. Et puis, on a eu malheureusement des gens qui sont décédés et qui ont donc, de ce fait, bien sûr, stoppé le traitement. Mais pour l'heure, en France en tout cas, il n'y a eu aucun arrêt de traitement en raison d'une inefficacité. Eliglustat est un traitement efficace pour la maladie de Gaucher. Bien sûr, il a des inconvénients, on l'a déjà dit, c'est 2 prises par jour, tous les jours, plutôt au moment du repas, mais ce n'est pas obligatoire, mais beaucoup de personnes préfèrent prendre avec un peu d'aliment Eliglustat pour éviter ces fameuses brûlures. Le risque, c'est surtout de l'oublier, et on a aussi des contraintes. Vous le savez, pour ceux qui prennent ce traitement, le pamplemousse est interdit sous toutes ses formes parce que le pamplemousse pourrait exposer à un surdosage en Eliglustat qui n'est absolument pas souhaitable. Il faut être vigilant vis-à-vis des médicaments et vous êtes les premiers vigilants puisque vous êtes souvent amenés à informer vos médecins généralistes, surtout que vous prenez ce traitement. La contraception est obligatoire et ce médicament est disponible uniquement à la pharmacie de votre hôpital le plus proche. Il y a une livraison à domicile qui est possible. Demandez-la à votre médecin. Il peut la mettre en place très facilement et c'est aux frais du laboratoire. Malheureusement, la livraison, comme le fait d'aller chercher le médicament à l'hôpital, c'est obligatoirement tous les 28 jours. Et vous le savez, c'est assez volumineux puisque c'est des paquets de 4 pâtes tablettes pour avoir 28 jours de traitement. Alors un petit mot quand même de recherche sur ce médicament, puisqu'on a fait une grande étude en France qui s'appelle l'étude ELIPRO, où on a évalué l'observance, c'est-à-dire la capacité que les patients ont à prendre ce traitement et la satisfaction générale de ce médicament. 60 pour personnes parmi vous ont participé à cette étude ELIPRO et 50% étaient des personnes qui recevaient le Serdelga en même temps que démarrait l'étude. Alors cette étude, c'est bien sûr totalement illisible à l'écran, mais juste pour illustrer ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, on a présenté les résultats de cette étude en février dernier. C'est le docteur Belmatou qui s'en est chargé lors du congrès mondial où on a présenté les résultats de l'étude ELIPRO qui a été réalisée avec le sponsoring de Genzyme, qui est, je vous rappelle, le laboratoire qui fabrique ce médicament. Si on doit résumer très schématiquement les résultats de cette étude ELIPRO, eh bien, 95% des personnes qui ont participé à cette étude durant un an se sont déclarées satisfaites du traitement. Concernant l'observance, c'est-à-dire cette capacité à prendre régulièrement le médicament, eh bien, 80% des personnes ont eu une bonne, voire une très bonne observance, et cette observance, elle a été très stable dans le temps. Et c'était valable quel que soit le groupe, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà traités depuis très longtemps ou des gens qui démarraient le traitement, eh bien, au bout d'un an, l'observance reste tout à fait excellente et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Néanmoins, j'attire votre attention sur ce chiffre de 50%. 50% des personnes rapportent au moins un oubli occasionnel. Donc, même si on est parfaitement motivé par son traitement, qu'on le supporte très bien, l'énorme inconvénient des liglustats, ça reste sa forme orale et le fait que, ben voilà, quand on a à prendre un traitement, vous comme moi, on l'oublie de temps en temps et c'est totalement involontaire. Concernant l'évaluation des symptômes de la maladie de Gaucher au cours de cette étude, on s'est intéressé à la fatigue et on a constaté que le niveau de fatigue sur une échelle de 0 à 10 est à peu près stable entre 3 et 4 chez les personnes. Vous avez un taux de fatigue qui est au niveau 3 ou 4 sur 10. Concernant les douleurs, ce niveau est tout à fait acceptable au sens médical du terme. On a un niveau de douleur qui est compris entre 2 et 3 sur 10. Et quant à la qualité de vie, et ça aussi c'est une bonne nouvelle comparativement à d'autres maladies, avec ce traitement sur une durée de 1 an, on obtient un taux de qualité de vie, de bonne qualité de vie, qui est compris entre 7 et 8 sur 10, ce qui est tout à fait significatif dans une maladie chronique. Voilà, alors je serais bien sûr tout à fait ouvert à la discussion concernant notamment les effets indésirables de la maladie et du médicament, et je passe la parole au docteur Serratris. Peut-être avant, excusez-moi, mais comme il y a pas mal de questions sur le Serdelga, est-ce qu'on peut faire une petite pause pour courtes questions avant que Christine intervienne? Ça vous va, Bien sûr. les orateurs? S'il vous plaît, les questions qui sont posées sont les suivantes. Tout d'abord, est-ce que, mais ça a été répondu dans le topo, mais malgré tout, réinsister dessus, la question, est-ce qu'on peut donner des réducteurs de substrat à un bébé? Alors, pardon, ça, j'ai eu un petit bruit parasite. Un bébé, est-ce qu'on peut... Un bébé, oui. Est-ce qu'on peut donner de l'imidustat? Alors, actuellement, Eligusta est étudié, et le docteur Serratris va en parler chez l'enfant, mais pour le moment, ce médicament n'a pas l'autorisation d'utilisation chez l'enfant. Il y a, à ma connaissance, une personne en France mineure qui est traitée pour une raison très très particulière en rapport avec sa maladie. Mais non, ce traitement n'est pas recommandé chez l'enfant pour l'instant. Samia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose parce que tu es intervenue dans le Alors, chat? bonjour Je à t'en tous. Donc, prie. moi, je suis Samia Pichard. Je travaille à l'hôpital Necker en pédiatrie. Je suis pédiatre, donc. Juste pour répondre à la question, je confirme ce que dit le docteur Camus. Effectivement, le traitement n'est pas pour l'instant autorisé chez les enfants. Je pense que Madame Serratrice va parler des essais thérapeutiques en cours, mais si c'est un enfant qui vient à peine d'être diagnostiqué, on sait que le traitement par enzymothérapie substitutive fonctionne très bien quand il y a une indication thérapeutique déjà. Donc ça, il faut évidemment se rapprocher de votre pédiatre pour savoir déjà s'il faut débuter un traitement par enzymothérapie substitutive. Et selon notre expérience, selon les résultats des études, on voit qu'il fonctionne quand même très bien sur la réduction du volume du foie, de la rate, sur l'amélioration de l'état général. Donc pour l'instant, un bébé de 9 mois n'a aucune indication à débuter un traitement par réduction de substrat. Peut-être que les choses vont changer dans les prochaines années, mais pour l'instant, le meilleur traitement qui est recommandé pour votre enfant, c'est évidemment l'enzymothérapie substitutive, s'il est indiqué en fonction, bien sûr, de comment va votre enfant à cette heure-ci. Voilà, j'espère avoir répondu. D'ailleurs, pour compléter, sachez que pour l'instant, mais parce que du coup, les études sur la cohorte, le sous-groupe des enfants sont en cours, hein, on n'a pas encore assez de recul, mais il n'y a pas non plus de formulation du médicament adapté à l'enfant, c'est-à-dire par exemple sous la forme d'une suspension orale, suspension qui pourrait être bue, parce qu'évidemment, chez un bébé, on ne peut pas lui donner des gélules ou des comprimés, donc ça, ce n'est même pas encore. Envisager disponible. Et en fait, l'essai clinique enfin, concerne des enfants de plus de 2 ans. Donc la petite fille de 9 mois pourrait pas non plus bénéficier de l'essai clinique Et qui actuellement. aurait le traitement depuis un minimum de 24 mois. Donc de toute façon, Exactement. dans ces conditions-là. Et juste pour répondre à la question à la remarque de Marc, pour l'instant, dans l'essai, ils ont commencé à mettre en place un sirop pédiatrique. Mais bien sûr, pour l'instant, pour 9 mois, c'est vrai que la question ne se pose pas. Une autre question, est-ce que, bon, il y avait une question qui était, est-ce que c'est applicable à tous les malades, est-ce que ça peut remplacer l'enzymothérapie? Donc, le docteur Camus vous a montré les indications, et que sur le terme, en tout cas, de
différence entre adultes et enfants. Après, est-ce que c'est adapté à toutes les présentations d'un médecin gaucher, docteur Camus, si vous voulez répondre à cette question. Alors, à toutes les maladies gauchers, oui. Le médicament a l'autorisation d'utilisation à la maladie gaucher de type 1. Par contre, uniquement la maladie de type 1, et on vient de le dire, uniquement la maladie de type 1 de l'adulte. Et nous avons comme précaution d'emploi et parfois malheureusement comme non-indication le cas particulier des personnes qui ne peuvent pas recevoir Eliglusta parce que leur organisme ne le supporterait pas. Donc, c'est ce fameux test salivaire qu'il faut faire avant la prise de traitement. Mais sinon, que la maladie de Gaucher soit une maladie de Gaucher avec une atteinte plutôt osseuse, plutôt hématologique, eh bien, il n'y a pas de contre-indication à utiliser Eliglusta. Oui, ça peut remplacer les indications de l'enzymothérapie. Bien, ensuite, il y avait deux messages qui concernaient l'effet de l'enzymothérapie sur les maladies de type 3. Samia, tu veux dire un mot ? Je peux intervenir aussi. Ah, Nadia. Oui, vous m'entendez ? Parce que j'ai changé d'endroit. Peut-être que la connexion fonctionnera moins bien. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce Zoom. Alors, concernant le type 3, moi, je récupère des patients qui ont été pris en charge par le professeur Thierry Billette de Villemeur à l'hôpital à l'hôpital Trousseau, l'hôpital pédiatrique. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que comme ils ont un type 3, qu'ils ont des signes neurologiques, leur traitement a été vraiment institué très tôt. Ce qui fait que par rapport à des types 1, par exemple, et on voit aussi ça chez les enfants qui sont traités très tôt, eh bien, en fait, il y a une amélioration qui est quasi spectaculaire, voire une normalisation de tous les paramètres, à savoir c'est des enfants qui n'ont plus de grosses rates, qui n'ont plus de gros foie et qui n'ont très souvent plus du tout d'atteinte osseuse. Donc, sur l'atteinte systémique, c'est très efficace. Et comme c'est souvent commencé tôt, car le diagnostic est fait le plus souvent tôt, eh bien, on est ravis de voir une quasi-normalisation. Ensuite, pour l'atteinte neurologique, il y a différents avis de par le monde. Thierry Billette, et je suis un petit peu d'accord avec lui, normalement, il n'y a pas de passage dans la barrière hématoencéphalique de l'enzymothérapie, c'est une grosse molécule. Cependant, on s'aperçoit que le fait de diminuer la charge en substrat non dégradé, en glucosylcéramide, peut-être de diminuer aussi le produit s'appelle le lysosphingosine qu'on vous dose parfois comme biomarqueur, qui a probablement un effet toxique sur le neurone, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une stabilisation chez certains patients de l'atteinte neurologique et peut-être, mais ça reste à démontrer, une petite diminution des signes de l'oculomotricité. Voilà un peu ce que je veux dire. Mais en gros, c'est vrai qu'on peut dire que sur l'atteinte neurologique, globalement, le plus souvent, ça ne fonctionne pas. Moi, je dirais que ça stabilise. Et le patient le plus âgé dans mon service a maintenant 53 ans. Alors, il pose des problèmes un petit peu d'insertion, mais il est quand même complètement stabilisé sur le plan systémique et neurologique. Samia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, s'il te plaît ? Je confirme tout ce que vient de dire Nadia. Effectivement, notre expérience, c'est qu'on a l'impression que l'enzymothérapie, même si on sait qu'elle ne traverse pas la barrière hématoméningée et n'est pas censée fonctionner sur les atteintes neurologiques, permet quand même une stabilisation. C'est vrai que nos patients, dès qu'on les diagnostique, c'est vrai que quand ils ont un type 3, en général, ils sont diagnostiqués très tôt, en général dans l'enfance, je dis bien en général, et c'est vrai qu'on débute le traitement immédiatement. On n'attend pas qu'il y ait des paramètres viscéraux, c'est-à-dire un gros foie, une grosse rate, ou des paramètres hématologiques. Donc, il n'y a pas d'anémie, on n'attend pas que les plaquettes soient trop basses pour débuter le traitement. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une stabilité. Après, là aussi, je mets un bémol parce qu'il y a des patients plus ou moins sévères en fonction de la gravité de leur maladie. Mais c'est vrai que ceux que j'ai suivis jusqu'à maintenant et pour lesquels on a débuté, ce sont des enfants qui continuent à progresser sur le plan de leur développement. Donc, ils ont un développement neurologique qui continue à se faire malgré tout dans les normes. Ils gardent effectivement leur atteinte oculomotrice, mais qui est stable et qui ne les gêne pas du tout dans leur activité de tous les jours, dans leur scolarité, dans leur contact et leur communication avec les autres. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on le débute, c'est une indication. Dès qu'il y a une maladie de Gaucher de type 3, il y a une indication à débuter immédiatement le traitement. Ça stabilise les choses a priori. Et puis, on attend quand même peut-être d'autres médicaments qui vont probablement arriver dans les prochaines années pour pouvoir vraiment améliorer cette atteinte neurologique.
Merci beaucoup. Il y a une question sur la recherche thérapeutique dans la maladie de Gaucher type 3, mais je propose qu'on attende le topo de Christine Serratrice qui abordera un certain nombre de projets de recherche. Par ailleurs, il y a deux questions peut-être où je vais répondre en direct. C'est une question sur les plaquettes, le temps pour améliorer, mais avec le concours du docteur Camus, le temps pour l'amélioration sous Élie Gusta. Alors, en sachant que les plaquettes mettent un certain… à partir de quelle numération de plaquettes, nombre de plaquettes, on met en place un traitement. Alors, pour l'indication, on est en train de… Comme l'a dit tout à l'heure Fabrice Camus, on est en train de revoir de façon très précise avec les publications qui sont sorties, les critères d'indication de traitement. La thrombopénie, c'est-à-dire la diminution du nombre de plaquettes, en est un critère, en raison, comme vous le savez, du risque hémorragique lié au nombre de plaquettes, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, on a un risque de faire plus d'hémorragie qu'un sujet normal, sans maladie. Et on a des seuils qui sont définis pour l'instant dans le PMDS actuel, qui sont à 50 000 plaquettes par microlitre. C'est le seuil officiel d'hématologie. Mais si le patient présente des signes hémorragiques, c'est-à-dire une tendance à avoir des saignements du nez, d'avoir des taches d'ecchymose, des bleus qui apparaissent sur la peau, des règles particulièrement abondantes, etc., eh bien, on peut démarrer le traitement sans avoir ce chiffre. Donc, c'est ça qui va primer. Ensuite, sur la cinétique de l'amélioration, c'est dans la plupart des cas, sous enzymothérapie, ça demande au moins 4 à 5 perfusions pour voir une amélioration. Donc, ça veut dire 17 semaines, hein, là, pas rien. Mais on peut voir des améliorations des signes hémorragiques un peu avant. Donc, voilà. Et pour l'Élie Gusta, mais là, je vais laisser Fabrice Camus peut-être commenter, on a l'impression que la cinétique est légèrement plus longue, mais je n'ai pas vu de courbe vraiment très précise, moi, dernièrement. Donc, peut-être que Fabrice, qui est plus spécialisé pour ce médicament, pourra compléter. Oui, alors en fait, effectivement, tout dépend de la population à laquelle on s'intéresse, des personnes qui sont déjà traitées et qui passent du traitement par perfusion au traitement par voie orale. On voit leur taux de plaquettes continuer à augmenter au fil du temps. En revanche, chez des personnes qui démarrent le premier traitement par les gélules, par le traitement par voie orale, eh bien, la correction du taux de plaquettes va être un petit peu plus lente qu'avec l'enzymothérapie. On le comprend assez bien puisque, comme je vous l'ai dit, les enzymes que l'on perfuse remplace l'enzyme, alors que le traitement par voie orale détourne la voie d'accumulation. Mais l'accumulation qui est en place va mettre beaucoup de temps et plus de temps à s'évacuer quand on prend le traitement par voie orale. Donc oui, la correction du taux de plaquettes, quand elle part d'un taux bas, va être plus lente avec Serdelga qu'avec un médicament comme Cérésime ou Véprige, par exemple. Mais déjà, au bout de quelques mois, le taux de plaquettes a monté de façon significative. Je pense qu'on peut dire aussi que quand on a des râpes très très grosses, mais c'est pareil pour l'enzymothérapie, ça met beaucoup plus de temps à obtenir une normalisation du taux de plaquettes. Et on a certains patients qui avaient une énorme râpe très fibreuse qui ont mis 3 à 4 ans et parfois encore maintenant gardent un certain degré de baisse de plaquettes. Et la deuxième chose, c'est que nos patients pour lesquels on a changé pour de l'Élie Gusta, eh bien, on n'a pas l'impression de voir que s'ils sont stabilisés déjà depuis plusieurs années, on n'a pas l'impression de voir que sous ce nouveau traitement, eh bien, il y a une baisse de plaquettes qui apparaît. Donc, l'amélioration et la stabilisation persistent. Pour la réponse à des questions qui sont sur le chat, l'enzymothérapie, en tout cas, permet d'améliorer le nombre de plaquettes circulantes. Et dans l'immense majorité des cas, de protéger les patients contre les risques hémorragiques, même si la numération des plaquettes est un peu en dessous des normales de la population de référence. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une petite diminution des plaquettes, mais sans que ce soit dangereux. Et donc, ça, c'est vraiment l'enzymothérapie qui est efficace là-dessus. L'Élie Gusta semble une efficacité équivalente. On a évidemment moins de recul sur les Gustas que sur l'enzymothérapie et toutes ces données continuent à être conservées, à être étudiées
Notamment, Nadia et Fabrice gèrent ce protocole hélico et on va continuer à surveiller ce qui se passe sous ce nouveau médicament, bien sûr. D'autres questions pour ce qui est, juste pour répondre à la question sur l'ambroxol en type 3, on en parlera On peut-être parlera. après le topo de Christine Serratrice. Moi, j'avais une petite remarque parce que, enfin, une petite réponse, je vois que Nadia a répondu sur le chat, mais pour ce qui concerne, est-ce que, bonjour, est-ce que dans le temps, l'enzymothérapie peut avoir un effet sur les veines? Alors, en fait, ce qui s'avère, c'est que le produit lui-même ne semble pas vraiment avoir d'effet sur les veines. Par contre, de piquer la même veine, ou presque, tous les 14 jours, ça, oui, ça a un effet. Et la cicatrice qui se fait à chaque piqûre pendant des années fait qu'au bout d'un moment, la veine peut être plus difficile à piquer, peut s'indurer. Et ça peut être, chez certains patients d'ailleurs, la source de difficultés pour réaliser la perfusion et une des indications au passage au traitement Perros. Donc ça peut arriver. Donc cet état veineux, il est à surveiller d'une façon attentive par le médecin. Et puis on conseille aux infirmiers de changer de bras, de changer de zone de piqûre pour pouvoir poser la perfusion. Voilà. Ça c'est un peu le côté très pratico-pratique de la perfusion. Dans les questions, oui, alors 110 000 plaquettes, est-ce que c'est acceptable? Oui, c'est acceptable. Pour rappel, pour vous, que vous le sachiez comme ça, on estime que même dans les interventions les plus à risque d'hémorragie, interventions chirurgicales les plus à risque d'hémorragie, on préconise, donc au maximum, hein, on préconise 100 000 plaquettes par microlitre. Et chez la femme enceinte, en général, quand on fait une péridurale, vous savez, c'est aussi un risque assez important. On autorise maintenant la péridurale à 70 000 plaquettes par microlitre. Vous donnez des zones de seuil qui permettent d'être protégées contre les risques hémorragiques. Je voudrais intervenir juste sur le fait de est-ce que tout le monde est éligible au traitement, comme l'a dit Fabrice. Je pense qu'il est très important de bien évaluer son patient pour nous médecins et que vous nous donniez le maximum d'informations pour individualiser le traitement et savoir si vous êtes éligible à l'hélyglustat. Et moi, j'ai pu faire quelques erreurs d'une patiente qui était dépressive, à qui j'ai mis de l'hélyglustat et ensuite j'ai dû lui donner un traitement antidépresseur. J'ai mal évalué la situation et comme il y a des interactions médicamenteuses avec les antidépresseurs, eh bien, j'ai donné que 2 mois de traitement, mais en gros pour rien, ni pour une efficacité, ni pour. Voilà, donc c'était un petit peu du gâchis entre parenthèses. On a fait le point après ensemble. Et la deuxième chose importante à évaluer, c'est la liste des médicaments, on l'a vu, et surtout le désir de grossesse. Moi, personnellement, chez une femme jeune qui est en désir de grossesse, je ne vais pas commencer un traitement. Donc, ce temps, je crois qu'on a appris à mieux l'évaluer, ce temps de l'indication du traitement par hélyglustat, pour que justement ça puisse être pérenne et être une bonne indication dans le temps. C'est vrai qu'on n'avait pas assez de recul, hein, donc ça demande aussi à ce que nous, médecins, nous fassions une expérience sur le médicament. Donc, merci Nadia de ce témoignage. C'est bien évident qu'on s'adapte aux différentes situations. Je rappelle que pendant une grossesse, l'enzymothérapie est autorisée, ça veut dire que la maladie peut continuer à être traitée par l'enzymothérapie. Hein, donc, vous n'êtes pas sans solution pendant une grossesse. Mais tout nouveau médicament, et nouveau, notamment des médicaments qui interviennent sur des enzymes, etc., et notamment au niveau du foie, c'est un principe de précaution. C'est contre-indiqué pendant la grossesse, ce qui fait que il faut anticiper ces projets parentaux, en parler à votre médecin, afin que si vous utilisez du Gustave, il faut passer à ce moment-là ou repasser à l'enzymothérapie pour permettre le projet parental. C'est important. Un message encore concernant un patient qui est traité depuis 18 ans par enzymothérapie. Alors, effectivement, les veines étaient fatiguées au bout de tout ce temps de perfusion, ce qui peut arriver. Et il y a un passage donc à l'hélyglustat en 2016, bien supporté les effets secondaires. Donc, c'est un témoignage qui est intéressant pour tout le monde. Moins efficace d'après le patient contre la fatigue, prise de poids et reflux gastrique. Donc, le reflux gastrique, la prise de poids, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour en faire un lien de cause à effet de façon formelle. Il y a une maladie de Gilbert
qui est associée à la méningite Bayer, c'est un déficit en une enzyme hépatique qui fait que sur l'analyse que vous recevez, la bilirubine est augmentée, ce qu'on appelle la bilirubine dans le livre. Alors, ça n'a pas de conséquences en soi comme maladie, mais ça peut être vu et notamment associé à la médine gaucher sans qu'on sache trop comment. Et ce patient décrit aussi des problèmes de vue et yeux secs, mais qui ça, eh bien, en tout cas, la sensation de yeux secs est, je ne sais pas, mais ça je reviens vers monsieur Camus. Oui, ça peut partir, ça peut rentrer un petit peu dans la même thématique que la sécheresse de peau, même si ça n'a pas été particulièrement signalé comme étant, par exemple, un motif d'arrêt du traitement. Et avec Fabrice, on a eu des cas de patients qui nous appelaient carrément au téléphone parce qu'ils avaient une douleur œsophagienne avec le comprimé qui se bloquait. J'avoue qu'avec la sécheresse, Fabrice, c'est presque les deux motifs où les patients nous appellent. Et en fait, il est vraiment important de prendre le trait du stade avec soit un très grand verre d'eau, soit avec un bol alimentaire. Donc, on peut le prendre avec le repas. Je suis désolé, mais le temps passe. Nous allons prendre une seule autre question très rapidement. Pourquoi le sérésine n'améliore pas l'apparition de la syphose chez l'enfant dans le type 3 sous traitement? Oui. En pratique, il faut aussi savoir que les déformations osseuses, lorsqu'elles sont en place, ne sont pas réversibles sous traitement. On va les stopper, les ralentir, mais elles ne sont pas… Oui, parce qu'en fait, la syphose dans type 3, elle est de mécanisme pas très connu. Il y a quelques patients qui ont peut-être une ostéonécrose d'une vertèbre ou un tassement de vertèbre, et même des ostéonécroses. Et il y a surtout un mécanisme probablement musculaire, voire neurologique, car il y a des patients qui sont en syphose et qui ont des vertèbres qui sont complètement normales. Et c'est probablement une maladie, on ne sait pas, musculaire, des muscles paravertébraux. Des électromyogrammes ont été réalisés, ou bien un neuromédiateur, comme dans certaines maladies neurologiques, qui font qu'il y a une contracture des muscles et qu'il y a cette attitude en syphose. Et c'est vrai que cette syphose, elle peut parfois justifier une intervention chirurgicale, alors qu'il n'y a pas de déformation osseuse, mais juste pour redresser le rachis. Et parfois des adénopathies des ganglions qu'on peut avoir dans le ventre, ça peut être inaccessible au traitement. Alors, cette syphose, elle n'est pas très importante chez nos patients parce qu'on les traite tôt, mais c'est vrai que j'ai vu dans certains pays où le traitement est moins disponible, on a des syphoses, mais qui sont majeures, et qui forcément retentissent sur le pronostic fonctionnel. Mais c'est très intéressant. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas bien le mécanisme de cette syphose. L'enzymothérapie ne peut pas la réparer en tant que telle. C'est très difficile. On va peut-être stopper les questions, je vous propose. Et puis, Christine, si tu veux bien démarrer ton topo. Tout à fait. Merci. Je ne sais plus si je suis… Oui, c'est bon. Je m'appelle Christine Serratrice, je suis médecin interniste, je m'occupe de maladies de Gaucher depuis une vingtaine d'années maintenant. J'étais initialement à Marseille et membre du CETG et maintenant aux hôpitaux universitaires de Genève et toujours membre du CETG. Et donc, au cours de cette matinée, je vais vous parler des essais cliniques en cours. Donc, ces essais cliniques, il faut savoir que certains sont arrêtés, certains ne recrutent pas. Donc, je vais vous parler surtout des essais cliniques qui recrutent et pour lesquels donc, on a un espoir d'avoir dans plusieurs années maintenant une application plus directe pour les patients. Alors, pour savoir de quoi on parle en termes d'essais cliniques, parce que je vais vous parler de phase 1, phase 2, phase 3, c'est des choses dont vous entendez peut-être parler, mais je vais bien reprendre ce que sont les phases de développement d'un médicament. Donc, au départ, on découvre une molécule et puis on pense qu'elle peut marcher dans un certain type de maladie. Donc, elle va rentrer dans un processus qu'on appelle préclinique, qui est en fait l'étude de cette molécule chez l'animal, pour voir si chez l'animal, elle a l'efficacité qu'on envisage pour elle. Ça permet aussi de voir comment va se comporter cette molécule.
Est-ce qu'elle va dans le foie? Est-ce qu'elle va dans la rate? Est-ce qu'elle va dans le système nerveux, ce qui est très important pour nous? Est-ce qu'elle va dans les os, par exemple? Donc, on essaie d'appréhender ça déjà chez l'animal ou dans des tests, enfin, et dans des tests in vitro, puisqu'on fait les deux. Et puis, c'est aussi un moment où on évalue la toxicité chez l'animal de la molécule. Si elle passe toutes ces étapes, donc vous voyez en dessous, sur 100 000 molécules qu'on a envisagées, il y en a 10 qui rentrent dans cette phase chez l'animal et 4 de ces molécules qui vont pouvoir rentrer en clinique. Donc, si elle rentre en clinique, il y a d'abord une phase 1 qui est l'essai de la molécule chez un individu sain, donc pas chez un patient, mais chez un volontaire. Et on va regarder encore une fois comment se comporte la molécule, mais aussi si elle est toxique. Et c'est cette phase-là qui va permettre d'évaluer un petit peu la dose de la molécule qu'on va donner et le mode d'administration. Est-ce qu'on va donner une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour? On va aussi voir quelle est la dose maximale tolérée de la molécule. Le but étant que la dose efficace soit la plus faible par rapport à la dose maximale tolérée. Au cas où, par exemple, il y a un accident et qu'on prenne 10 gélules, eh ben, on est tranquille, on n'aura pas d'effet secondaire grave, pas de mortalité, s'il y a eu, par exemple, une erreur ou une accumulation de la molécule. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est la première fois où on administre le médicament chez des patients. Donc là, on va regarder sur un petit groupe de patients si cette molécule qu'on pensait être efficace est véritablement efficace et si elle est bien tolérée. Et si on passe cette phase, on passe en phase 3, c'est-à-dire une phase où on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on va le faire chez beaucoup plus de patients. Et si encore une fois on a passé cette phase-là, eh ben on va faire tout son dossier pour pouvoir être approuvé par les autorités de santé. Vous avez entendu parler avec les vaccins du Covid, l'EMA en Europe, le FDA aux États-Unis. C'est eux qui vont dire « Ok, votre médicament, vous pouvez le commercialiser ». Donc, vous voyez que pour 4 molécules qui rentrent en phase 1, il n'y en a plus qu'une qui va sortir. Donc, dans les essais cliniques dont je vais vous parler, peut-être que ça n'aboutira pas à la fin à un médicament qui sera commercialisé. Voyez en haut le temps pour développer un médicament. Alors, on va dire à partir du moment où on rentre la première fois chez l'homme, ben voilà, on peut, ça va mettre 6, 7, 8 ans pour être approuvé. Alors, en termes de maladies rares, il y a des petites adaptations de ce diagramme et on peut faire, par exemple, des phases 1, phase 2. Parfois, il n'est pas licite d'étudier une molécule chez l'individu sain quand on n'a, par exemple, aucune molécule pour un patient. On peut directement faire l'équivalent de la phase 1, mais directement chez un patient. C'est, par exemple, la phase 1, phase 2. Vous comprenez aussi que comme on parle de maladies rares, ben, la faire sur 20 patients et ensuite en phase 2, puis sur 300 patients ou parfois 1000 patients ou 10 000 patients, quand on parle de la cardiologie par exemple, en phase 3, ben, ça n'a pas de sens en maladies rares et on peut avoir des phases 2, phase 3. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu le déroulement et puis l'attrition des molécules au fur et à mesure du développement. Alors, en termes de maladie gaucher, je crois que je n'arrive pas à faire. Hop. Fabrice, tu arrives à. Je pensais que c'était mon écran, mais je n'arrive pas à l'avancer. Si, voilà, pardon. Alors, les essais thérapeutiques en cours dans la maladie de gaucher. Donc, il y a plusieurs essais qui sont à différentes phases de développement. Il existe un site qui est un site américain sur lequel sont répertoriés tous les essais, pas forcément que thérapeutiques, mais tous les essais de toutes les maladies. Ce n'est pas complètement exhaustif. On peut parfois mettre son essai sur un site européen et pas sur le site américain, mais globalement, tous les essais sont présents sur ce site-là. Et donc, je me suis servi de ce site pour répertorier les différents essais cliniques que l'on trouve.
Donc, on voit déjà qu'en maladie de Gaucher de type 1, il y a pas moins de 5 essais qui sont en cours. Maladie de Gaucher de type 2, un seul essai. Et maladie de Gaucher de type 3, 3 essais. En phase 1-2, il y a les essais de thérapie génique, dont je vais largement reparler par la suite, à la fois dans le Gaucher de type 1, à la fois dans le Gaucher de type 2. En phase 2, les essais avec l'ambroxol. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur l'ambroxol, on va en reparler. Sur une autre molécule qu'on appelle l'arimoclomol, et puis un essai qui, je crois, est arrêté sur la N-acétylcystéine. En maladie de Gaucher de type 3, en phase 2, donc chez des patients, l'arimoclomol également, et l'association d'une molécule qu'on appelle le vinglusta avec le cérésime, dont je vous reparlerai. Et enfin, en phase 3, l'association imiglucérase et eliglusta chez l'enfant, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Et puis, il y a un autre essai qui risque d'être très intéressant, mais qui ne recrute pas encore, qui consiste à administrer l'enzymothérapie in utero chez des patients qui ont une maladie de Gaucher de type 2 ou de type 3. Vous savez que le grand problème dans la maladie, un des grands problèmes thérapeutiques dans la maladie de Gaucher, c'est la pénétration du cerveau. Nadia en a un petit peu parlé tout à l'heure, parce que l'enzymothérapie, comme on disait, est une grosse molécule et passe très mal ou pas du tout le cerveau. Et l'idée là, c'est d'administrer in utero l'enzymothérapie à une période où la barrière qui protège le cerveau de plein de choses, mais aussi de l'entrée des médicaments, et c'est notre problème, cette barrière n'est pas encore complètement finie, ce qui fait que l'enzyme pourrait pénétrer dans le cerveau en formation du futur bébé. Donc, c'est un essai qui pourra être très, très prometteur, mais qui, pour l'instant, ne recrute pas encore. Alors, la thérapie génique, c'est vraiment la question qu'on se pose dans tous les congrès où on va. Il y a toujours énormément de communication sur la thérapie génique. La thérapie génique, vous savez, ça a plus de 50 ans qu'on parle de thérapie génique pour les maladies génétiques, mais ce n'est que depuis ces 10 dernières années que la thérapie génique est véritablement devenue un traitement pour une dizaine de maladies sur environ 1000 essais cliniques. Donc, pour l'instant, un succès qui est modéré, mais qui va très certainement révolutionner la prise en charge de ces maladies, des maladies génétiques en général. Le premier grand succès, on a parlé d'Alain Fischer pour la vaccination aussi du Covid, mais c'était lui qui avait fait les premiers essais de thérapie génique pour les enfants qui avaient des déficits immunitaires sévères, et ça a été le premier succès chez l'enfant de la thérapie génique. Alors, comment ça marche, la thérapie génique ? Fabrice vous disait que la maladie de Gaucher, c'est une maladie génétique. Le gène qui est touché, c'est le gène qui code pour cette fameuse enzyme, la glucocérébrosidase. C'est un gène qui est sur le chromosome 1, mais peu importe. Le but, c'est de remplacer dans un vecteur, d'introduire dans un vecteur le gène sain pour pouvoir l'administrer au patient et qu'à ce moment-là, dans l'organisme, il fabrique de la glucocérébrosidase qui soit bien fonctionnelle. Il y a deux façons de faire. Il y a la thérapie génique ex vivo, c'est-à-dire qu'on fabrique notre vecteur, on prend les cellules du patient, on met le vecteur dans les cellules du patient et ensuite on réinjecte les cellules qu'on a traitées chez le patient. L'autre façon, c'est de prendre le vecteur avec le gène qui est donc corrigé et l'injecter directement chez le patient sans passer par cette phase au laboratoire, on va dire, de mélange des cellules à traiter. Un autre moyen, enfin une autre façon de faire de la thérapie génique, et il y avait une question d'un d'entre vous sur ce système-là, c'est le système CRISPR-Cas9. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler parce qu'il y a eu deux événements importants. Le premier, c'est que c'est le prix Nobel de chimie 2020 de l'année dernière. Deux femmes, donc ça c'est déjà un premier élément positif, qui ont reçu ce prix Nobel
pour la découverte de ce système CRISPR-Cas9, dont une Française, Emmanuelle Charpentier, donc encore un élément positif dans cette découverte. Ce système-là, c'est en fait une sorte de thérapie génique également. Le système CRISPR-Cas9 consiste en fait à aller couper dans la cellule le gène qui est malade. Alors, ça a un intérêt également pour faire des modèles de maladies, des choses comme ça, mais ça a aussi un intérêt éventuellement thérapeutique parce qu'après, on peut guider la réparation de ce gène avec de l'ADN, peu importe. On va guider la réparation et donc on va pouvoir réparer le gène malade finalement chez le patient. Alors, vous en avez aussi peut-être entendu parler parce que ça avait été l'histoire de ce Chinois qui avait fait deux petites jumelles dites génétiquement modifiées pour résister au sida, etc. Et ça, donc, ça pose quand même pas mal de problèmes d'éthique. Mais en tout cas, c'est un moyen de faire de la thérapie génique, finalement, moyen assez simple. Dans la maladie de Gaucher, pour l'instant, ça a été essayé comme modèle de la maladie chez l'animal. Ça n'est pas encore arrivé à ma connaissance, ni en préclinique et certainement pas dans ces phases cliniques. Voilà donc ce que c'est que la thérapie génique. Alors, je vous disais, il y a deux essais dans le monde. Avrobio, qui est une première société qui va traiter des patients qui ont une maladie de Gaucher type 1, ils envisagent de 8 à 16 patients, entre 16 et 35 ans. Le vecteur dont je vous parlais pour faire rentrer le gène dans les cellules, ce sont des virus, et donc là, ils utilisent un vecteur lentiviral, et c'est la technique ex vivo qui est utilisée. L'essai est conduit au Canada et en Australie. À ma connaissance, pour l'instant, je crois qu'il y a un sur peut-être deux ou trois patients qui ont été inclus dans cet essai clinique. Évidemment, on n'a pas les résultats, hein, puisqu'on est encore dans les phases d'essai. L'autre essai, c'est Prevail, une autre société qui, là, veut traiter des maladies de Gaucher de type 2, donc une maladie pour laquelle on n'a aucun traitement à ce jour, donc d'où vraiment l'intérêt de la thérapie génique dans ces maladies pour lesquelles on n'a vraiment aucune solution. La maladie de Gaucher de type 2 ne touche que les enfants très très tôt, donc l'inclusion, c'est des enfants qui ont entre 0 et 2 ans. Le vecteur, c'est un autre virus qu'on appelle adénovirus associé. Et là, on injecterait le vecteur directement dans le cerveau des enfants pour être au plus près donc, du problème neurologique. Et ça, c'est un essai qui n'a lieu qu'aux États-Unis. Une autre molécule dont on a beaucoup entendu parler, dont vous avez aussi possiblement beaucoup entendu parler, c'est l'ambroxol. L'ambroxol, son nom, c'est le surbron et c'est un médicament qui au départ était donné pour la bronchite pour fluidifier les mucosités qu'on peut avoir au cours de la bronchite. Ça fait partie des molécules qu'on appelle les molécules chaperones. Donc Fabrice a parlé du traitement enzymatique substitutif, du traitement réducteur de substrat. Il y a un autre moyen qui n'est pas encore officialisé, on va dire, de stabiliser la membrane, la protéine, ces molécules chaperones qui vont empêcher les agrégats de glucocérébrosidase et donc permettre une meilleure activité de cette glucocérébrosidase. Donc, ça signifie qu'il faut avoir quand même un peu de glucocérébrosidase pour pouvoir avoir une action de ces molécules chaperones. Et l'autre inconvénient de ces molécules, c'est qu'on s'est aperçu qu'elles marchaient sur certaines mutations génétiques et pas sur toutes. Donc, pas tout le monde ne peut être électif au traitement par les molécules chaperones. L'ambroxol, en fait, comme on s'est aperçu que ça marchait dans la maladie de Gaucher, parce que franchement, c'est pas évident comme ça quand on parle d'un médicament pour la bronchite, en fait, de temps en temps, on screen des tas de molécules sur des cellules et on regarde ce qu'elles font. Et on s'est aperçu qu'entre autres celles-ci, mais il y en a d'autres, réduisaient la bêta-glucocérébrosidase. C'est comme ça un petit peu qu'on est arrivé à l'utiliser.
Donc, au départ, ça a été un cas clinique par-ci, un cas clinique par-là, et c'est d'ailleurs un peu toujours le cas, avec des résultats très contrastés. Pour certains, ça a amélioré, pour d'autres, ça a stabilisé, pour d'autres, ça ne faisait rien. Donc, on était un petit peu dans le flou. Du coup, il y a un essai clinique qui est mis en place pour la maladie de Gaucher de type 1 qui aurait une réponse insuffisante à l'enzymothérapie. L'inclusion, c'est des patients de 18 à 35 ans. C'est une étude qui a lieu essentiellement en Israël. Beaucoup les Israéliens se sont intéressés à l'ambroxol, également le Japon. Et donc, cet essai est en cours. Et parallèlement, il y a un registre, puisque je vous disais, beaucoup de gens ont essayé un petit peu, vu les résultats qu'avaient leurs collègues de l'ambroxol. Et donc, il y a un registre qui va colliger tous ces patients qui ont pu être traités par l'ambroxol. Alors, aussi bien maladie de Gaucher de type 1, 2, 3, et une notion un peu différente qu'est le Parkinson avec la mutation du gène de la maladie de Gaucher. L'objectif de ce registre est d'avoir 300 patients. Pour l'instant, ils ont publié les résultats de 41 patients, avec aussi, comme vous voyez, des résultats mitigés parce que l'amélioration est donnée chez 25 patients. On a très peu de détails finalement dans le papier. On dit peut-être un peu moins de crises d'épilepsie pour certains patients ou un espacement donc des crises d'épilepsie ou une stabilisation de la marche, par exemple dans le cas des maladies de type 3. Donc des résultats qui sont quand même un petit peu mitigés, mais qui vont nécessiter d'être évalués sur beaucoup plus de patients. Une autre molécule chaperone, c'est l'arimoclomol, qui donc agirait un petit peu comme l'ambroxol. Et donc là, il y a un essai en Inde sur des maladies de Gaucher de type 1 et de type 3. Le recrutement, c'est des patients de 4 à 60 ans, mais il ne le recrute pas encore. Il est en train d'être mis en place. Le vinglustat, donc. Fabrice a longuement parlé de l'héliglustat. Le problème de l'héliglustat, c'est qu'il se lie à une protéine qui fait qu'il ne va pas vraiment pouvoir pénétrer dans le cerveau. Et comme je vous disais tout à l'heure, vraiment ce qu'on cherche maintenant dans la maladie de Gaucher, c'est pouvoir traiter les atteintes neurologiques du type 3, bien entendu du type 2, mais aussi les atteintes neurologiques parfois associées au type 1, comme la maladie de Parkinson. Et donc, il a fallu trouver une molécule qui pourrait ressembler à l'héliglustat, mais qui pénétrait dans le cerveau. Et donc, ils ont créé cette molécule qui est une sorte de cousin de l'héliglustat qu'on appelle le vinglustat. Donc, c'est aussi un réducteur de substrat comme l'héliglustat, mais on espère qu'il pénètre mieux dans le cerveau. Et du coup, il serait indiqué, par exemple, dans la maladie de Gaucher de type 3, dans la maladie de Parkinson avec la mutation du gène de la maladie de Gaucher, mais aussi dans d'autres maladies de surcharge lysosomale. Ce n'est pas exclusif du Gaucher. Donc là, il y a un essai clinique de phase 2-3. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois, on les fait chevaucher parce que ce n'est pas licite de faire 2 puis 3 dans les maladies rares. Une étude sur 49 patients. Des patients de plus de 12 ans en association avec le sérésime. Et c'est une étude qui est menée aux États-Unis, au Japon, en Allemagne et en Angleterre. On a, lors des congrès, parfois des premiers résultats là-dessus, notamment sur la tolérance. Et la tolérance du vinglustat est très bonne, assez comparable à celle de l'héliglustat, avec des effets secondaires qui sont à peu près identiques. Voilà pour l'instant ce qu'on a sur le vinglustat. Bien entendu, on communique de temps en temps sur l'efficacité, mais tant qu'on n'a pas la fin de l'étude, c'est difficile de donner des éléments d'efficacité vraiment robustes pour ce traitement. Et enfin, l'association héliglustat et hémiglucérase, ça c'est l'étude HeliKids, qui est un essai clinique de phase 3 chez 60 patients. Donc là, on associe le réducteur de substrat et l'enzymothérapie substitutive pour des patients qui ont une maladie de Gaucher de type 1 ou de type 3. L'inclusion, c'est donc 2 à 17 ans. Donc, soit avec le sérésime, soit parfois l'héliglustat seul. Et donc,
là, c'est un essai international dont la France fait également partie. Mais si on reparle de la petite fille dont on parlait tout à l'heure qui a 9 mois, elle ne pourra pas encore bénéficier de ce traitement-là. Voilà pour ce qui est de l'Eliglusta. Voilà, donc tous ces essais, ben, certains vont donner des résultats très positifs, d'autres peut-être pas et seront éliminés. En tout cas, ça montre quand même qu'il y a beaucoup de recherches en thérapeutique pour la maladie de Gaucher. On a toujours la problématique de l'atteinte du système nerveux et de trouver le moyen d'atteindre ce système nerveux. Bien entendu, on attend tous énormément de la thérapie génique qui serait le moyen vraiment définitif hein, de traiter cette maladie. On est encore loin de la fin des essais dans ce domaine-là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'espoirs qui sont suscités et beaucoup de choses qui sont faites. Et bien, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et j'espère par ailleurs que c'était clair et pas trop... trop évident pour certains ou trop. Merci Christine, merci. Pour d'autres. Non, mais bon, du coup, ça permet d'avoir une vision des différentes études, enfin, des protocoles de recherche sur la thérapeutique. Il y a beaucoup d'échanges sur l'ambroxol, posant la question sur l'ambroxol, et qu'il y a 24 patients sur 41 qui ont dû avoir des réponses. Et la question était, est-ce qu'il y a une génétique en commun? Pourquoi on ne répond pas? Ouais. Voilà. Alors, ce qu'on peut effectivement, donc on sait que dans ces molécules chaperones, la génétique joue un rôle. Ça a été très bien démontré dans une autre maladie de surcharge lysosomale qui est la maladie de Fabry, où là, il y a déjà une molécule chaperone qui est commercialisée et qui marche sur certaines mutations. Ce qu'on peut reprocher aux essais sur l'ambroxol, c'est qu'on n'a pas cette phase de screening en fait, des cellules du patient pour voir s'il répond à l'ambroxol ou pas. En tout cas, ce n'est pas précisé dans le protocole. Et on pourrait imaginer, c'est parce que c'est franchement pas compliqué à faire, de screener les cellules des patients qu'on veut traiter par ambroxol, saupoudrer entre guillemets d'un peu d'ambroxol et voir si ça a une efficacité. On n'a pas cette phase-là. Peut-être que le registre hein, dont je vous parlais va permettre de le mettre en évidence parce qu'évidemment, dans les données qui sont recueillies dans ce registre, il y a les mutations. Et si on s'aperçoit que certaines mutations répondent très bien, puis d'autres pas du tout, bah, ce sera déjà un moyen de voir ça. Mais voilà, donc très certainement, il y a un terrain génétique qui fait que ça marche ou pas, ça c'est le premier point. Il y a aussi, comme je vous disais, ça a été donné comme ça un petit peu, de façon un petit peu éparse, il y a peut-être aussi un degré de sévérité de la maladie qui fait que peut-être si c'est donné plus tôt, c'est plus efficace que si c'est donné plus tardivement. Ça, c'est des éléments aussi qu'on peut avoir. Il y a une question complémentaire qui est, le commentaire c'est ça, s'il y a une étude de l'ambroxol sur les cellules publiées avec référence aux mutations, je vais rechercher cette publication. Alors, pour compléter, oui. Ce n'est pas la mutation du gène de la glucocérébrosidase là, qui est intéressant. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il peut y avoir une mutation, plus de 300 mutations qui ont été décrites. Certaines mutations sont liées à une forme de la maladie ou à un risque de développer, par exemple, des formes neurologiques. Mais dans la réponse à l'ambroxol, c'est certainement beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que l'aspect génétique touche tout un tas de molécules qui participent en fait, au métabolisme dans lequel est impliquée la glucocérébrosidase. Et c'est ça dont nous parlons. Ce n'est pas seulement la mutation elle-même de l'enzyme. Hein. C'est pour ça que c'est multigénique, c'est oui, ça ce que vous répondez. C'est important. Ces études génétiques, on les a chez l'animal, etc. Ce que je voulais simplement souligner, c'est qu'on peut simplement se poser la question de comment au mieux screener les patients
Et c'était, voilà, c'était simplement le commentaire que je faisais, ce qu'on n'a pas actuellement. Et là, nous avons besoin de toi, Christine, parce que il y a des échanges sur le chat sur la thérapie génique. Ouais. Et avec un espèce d'emballement où tout un nombre de patients, beaucoup de patients disent « je peux être volontaire pour un essai, pour accompagner la recherche ». Bon, en pratique, tu peux nous éclairer sur ce qu'on peut envisager dans le futur et si tout le monde peut participer ou pas à un essai thérapie génique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, parce que c'est pas si simple que ça. Non, c'est voilà, c'est pas si simple. Vous voyez le nombre de patients qui vont être inclus, c'est vraiment très 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 faible. Donc l'essai qui est le plus en avance, c'est celui d'Avrobio. Mais il y a d'autres essais qui vont probablement débuter, notamment une société anglaise qui s'appelle Freeline, qui envisage également de traiter par thérapie génique la maladie de Gaucher, parce qu'ils l'ont déjà fait, par exemple, pour la maladie de Fabry ou d'autres maladies, notamment de l'hémoglobine, en fait, d'autres maladies génétiques. Donc, il va y avoir probablement plusieurs essais. Peut-être en Europe. Pour l'instant, vous avez vu, hein, c'est assez restreint comme pays qui incluait des patients en thérapie génique. Il est clair que là-dessus, le Covid aussi a beaucoup fait, pas reculer, mais empêcher que les choses avancent correctement. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui ont été interrompus pendant cette année, faute de pouvoir recruter les patients dans des bonnes conditions. Voilà, je pense que certes c'est intéressant, je pense qu'il faut quand même qu'on voie un petit peu ce qu'on vont donner les premiers résultats. Pour le moment, en tout cas, ils évaluent plutôt sur les marqueurs biologiques. On n'a pas encore d'éléments qui évaluent les choses sur la clinique, et c'est quand même ça qui va plus nous intéresser, même si les marqueurs c'est déjà bien. Par contre, j'ai pas connaissance d'essais qui seront en France, mais peut-être Nadia. Juste un commentaire là-dessus. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, après, on va arriver à une autre question qui concerne le Parkinson. Avant ça, il faut que vous compreniez aussi que la thérapie génique est quelque chose à mettre en jeu qui est assez compliqué d'une part. Deuxièmement, qui a en soi un certain risque malgré tout, parce qu'on modifie la génétique de la personne. Et du coup, les patients qui seront les cibles de ces protocoles, ça ne va pas correspondre à tous les patients atteints de maladie de Gaucher. Donc, ça va concerner en général les formes les plus graves, ou qu'on veut anticiper, notamment des formes que l'on va pouvoir traiter pour certains très tôt. Et du coup, ça ne peut pas concerner le type 1 qui a juste une thrombopénie. C'est là une discussion qu'on a eue avec Nadia déjà. Ouais. On est tous un petit peu étonnés que ces sociétés fassent de la thérapie génique dans la maladie de Gaucher type 1, qu'on peut très bien traiter avec beaucoup de possibilités. Et c'est vrai qu'on aurait voulu que ce soit… Alors, le type 2, bien entendu, même le type 3. Mais c'est vrai que le type 1, on est un petit peu étonné. Et Freeline fait aussi son développement, je crois, dans le type 1. Tu m'arrêtes, Nadia, si je dis une bêtise. Mais il me semble bien que c'était ça. Et on est tous surpris. Mais voilà. Si je peux intervenir, je pense qu'il y a, il y a deux choses. Nadia, ouais. Tu m'entends, Nadia? Juste avant que tu démarres. Ah oui, ça y est, je t'entends. Vas-y, finis. Ouais, juste avant que tu fasses ton commentaire, il faut savoir qu'il y a un des patients qui a envoyé un commentaire en disant une invasion de cobayes, attention, donc il faut qu'on se positionne, nous, parce qu'on est très attentifs au projet tel qu'il se passe. Et justement, l'idée est que ce soit très encadré. Pour qu'on puisse proposer ça, en tout cas en France, c'est quand même très très encadré, c'est pour qu'on puisse proposer aux patients avec le maximum de garanties et que ce n'est pas du tout un appel à faire des essais thérapeutiques, chez le patient et qui servent de cobaye. Donc il y a déjà un commentaire qui est
que je comprends tout à fait, hein, sur le chat. Donc, c'est pour aussi anticiper ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on encadre tout ça et avec toute l'éthique que l'on a en France. Il faut savoir que... Non, mais c'est pas que en France, je veux dire, il faut... Je pense que l'industrie pharmaceutique est très... Vous m'entendez? Oui. Pas très bien, mais oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. L'industrie pharmaceutique, il y a un tabou. Elle est très éthique. Hein. Si vous saviez les dossiers, ça, c'est des kilos de dossiers concernant le consentement du patient, concernant la pharmacovigilance, c'est très, très encadré. C'est-à-dire qu'un laboratoire ne peut pas aller dans la thérapie génique comme cela. D'accord ? J'ai été contactée par Avrobio et je dois vous dire que les réactions des patients sont très intéressantes parce que, bizarrement, c'est pour ça que c'est intéressant de vous en parler. Moi, je pensais que les patients type 1 diraient « non, j'ai un traitement, je sais bien tolérer, j'ai une qualité de vie qui est quasi normale, je ne veux pas m'embarquer ». D'autant que c'est vrai que c'est des thérapeutiques et c'est des essais qui sont lourds. Il y a un traitement immunosuppresseur qui a donné avec la thérapie génique. Donc moi, j'ai été contactée par le laboratoire et j'ai dit non dans un premier temps, en accord avec mes collègues, parce que je pensais que c'était prématuré, il y avait le Covid. Je pensais que commencer par le type 3 semblait plus opportun et je ne pensais pas qu'il y aurait un désir des patients. Et je me suis dit, on va attendre, surtout que efficacité chez la souris. Et là, j'ai vu les résultats sur un patient et ce n'est pas un patient forcément très, très grave, mais c'est vrai avec des données qui sont importantes, mais des risques d'infection. Je crois qu'il avait fait quand même une infection liée au traitement immunosuppresseur. Ce qui m'a un petit peu rétractée face au laboratoire, c'est la somme de choses qui sont demandées concernant ma cohorte et concernant notre cohorte. Et ça, il faut qu'on en discute ensemble, le CETG, parce que j'ai vécu ça un petit peu comme une intrusion de savoir... alors, c'est normal, ils veulent connaître le marché, mais je pense qu'il faut qu'on en discute, et Marc a complètement raison, de façon collégiale, pour voir qui peut être éligible, et avec vous aussi, hein, avec vous, parce que c'est vrai que les patients partants, je n'aurais pas imaginé qu'il y aurait autant de gens qui pourraient être partants. Après, cobaye, non, vous ne pouvez pas. Vous verrez, le consentement à lire, il fait des pages et vous êtes au courant de tout des thérapeutiques et vous pouvez vous extraire de tout essai clinique à partir du moment où vous le désirez. Ça, c'est sûr. Par contre, du coup, pour renforcer ce que dit Nadia, il en va aussi de notre responsabilité médicale, évidemment, que vous soyez informé en toute transparence de l'essai. Donc ça, vous serez informé, comme le dit très bien Nadia, aujourd'hui, les industriels, en tout cas en Europe, ont l'obligation d'informer de façon extrêmement détaillée les patients. Mais du coup, si je veux schématiser, pour dire que tous les patients pourraient pas être forcément intéressé par ce type de traitement, c'est que s'il y a un risque infectieux, par exemple, avec un traitement immunosuppresseur, qui n'est pas anodin, il faut vous rappeler que le patient qui a une maladie de type 1 avec juste une atteinte des cellules sanguines, une rate un peu grosse, et que l'on va traiter avec l'enzymothérapie, a quasiment zéro risque d'infection ou d'effet secondaire. Donc, à chaque fois, il faut faire, c'est comme d'habitude en médecine, hein, comme on dit à chaque réunion de patient, on va faire une balance entre le bénéfice et le risque, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on apporte au patient, est-ce qu'il y a des risques, est-ce que du coup, on a plus de risques avec la thérapie génique qu'avec le traitement dont on dispose actuel, selon le profil du patient et ce qu'il présente. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien peser. Pour voir si c'est intéressant ou pas, et c'est ce que nous sommes, collégialement, nous réfléchissons constamment au CETG. Pour compléter juste ce que tu dis, Marc, il y avait eu une étude il y a quelques années pour voir, qui était donc dans la population générale, comment accepteriez-vous la thérapie génique, et ce qui ressortait, c'est que les gens accepteraient en général la thérapie génique pour des maladies pour lesquelles il n'y a aucun traitement, des maladies dont l'évolution est sévérissime et qui touchent l'enfant. Donc voilà, je parle en général, c'est hors gaucher. Effectivement. C'est les, on a quand même
On a une question sur relation entre maligne gaucher et Parkinson. Est-ce que tu pourrais préciser? Oui, alors peut-être certains d'entre vous sont au courant, peut-être d'autres non. Donc depuis la fin des années 98, il y a eu des premiers cas décrits de maladie de Parkinson associée à la maladie de gaucher. Au départ, c'était un cas clinique comme ça. Et puis ensuite, on a eu des petites séries de gens qui rapportaient dans la maladie de Gaucher plusieurs patients qui avaient une maladie de Parkinson. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, donc ça a pris un peu de temps, puis petit à petit, les gens se sont, aussi bien les neurologues qui s'occupaient de maladie de Parkinson que des patients, que des médecins qui s'occupaient de maladie de Gaucher, ont un petit peu étudié le lien, et jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la mutation du gène pouvait conduire à la maladie de Parkinson. Mais je dis bien « pouvait conduire », ce n'est pas systématique. Et ce n'est pas forcément non plus lié à la maladie de Gaucher. Vous savez que pour avoir la maladie de Gaucher, il faut avoir la mutation sur ces deux gènes. Et donc, quand on est malade de maladie de Gaucher, c'est qu'on a hérité d'un gène malade de son papa, un gène malade de sa mère. Et donc les parents, eux, ils ont un seul gène muté, donc ils n'ont pas la maladie de Gaucher. Mais ces gens-là, c'est les familles des gens qui ont une maladie de Gaucher peuvent avoir un peu plus de maladie de Parkinson. Avec des chiffres qui sont extrêmement variables entre les études, on dit que ça multiplie peut-être par 5, parfois par 10, parfois plus. À vrai dire, on ne sait pas. Ça dépend un petit peu des études et comment on fait les analyses. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a un lien et que maintenant, on a découvert un petit peu comment ce gène pouvait entraîner des signes de maladie de Parkinson. Et ça a permis aussi de se dire comment traiter ces maladies de Parkinson qui sont des maladies, qui sont un sous-groupe très particulier des maladies de Parkinson, puisque on admet que 10% des maladies de Parkinson sont des maladies génétiques et 10% de ces mutations sont liées au GBA1. Donc, vous voyez que c'est quand même peu de cas de Parkinson, mais comment est-ce qu'on pourrait bénéficier des avancées des traitements sur la maladie de Gaucher pour traiter la maladie de Parkinson? Et c'est là donc qu'est sorti le vinglusta, premièrement, et puis éventuellement l'ambroxol, dont on espère qu'en stabilisant cette fameuse enzyme, pourrait aussi améliorer les syndromes, les signes de maladie de Parkinson. Voilà, en très, très, très résumé et très simplifié, le lien entre les deux. Je ne rentre pas dans les détails de ce qu'on voit et comment la glucocérébrosidase peut entraîner des signes de maladie Parkinson. C'est un peu compliqué, puis ça n'a pas tellement d'intérêt pour aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter juste un petit mot pour vous dire que Vinglusta est un médicament qui est développé par la firme Sanofi, et elle est développée à la fois dans la maladie de Parkinson, donc des gens qui n'ont pas la maladie de Gaucher mais qui sont simplement porteurs d'une mutation, et à la fois développé également dans une autre maladie génétique qui est la polykystose rénale. Et nous, CETG, nous sommes officiellement épanchés auprès de la firme pour leur dire que les personnes atteintes d'une maladie de Gaucher qui ont une maladie de Parkinson devraient pouvoir bénéficier, quand cette molécule sera disponible, en priorité du vinglusta. Donc, quand il y a une association Parkinson plus Gaucher, il nous semble, si les essais thérapeutiques, comme vous l'a dit le docteur Serratri, arrivent à terme, il nous semble que la population la plus concernée par cette molécule, ça sera évidemment nos patients gauchers. Donc, on a fait une lettre officielle au siège de la firme aux États-Unis pour dire que nous, traitants de maladie de Gaucher, nous souhaitons que cette molécule soit mise à disposition le plus tôt possible pour les patients qui ont et les deux maladies, Gaucher et Parkinson. Très bien, je crois que pour les... Avant de passer à la suite, est-ce que je peux juste rajouter une petite remarque sur l'ambroxol, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je voulais juste insister sur le fait qu'on en parle depuis de très nombreuses années, notamment au sein du CETG. Il y a certains d'entre nous qui ont eu des expériences de traitement
paroxysmal pour les patients gauchers type 3, mais également gauchers type 2. Sincèrement, en voyant tous les résultats des examens, des études qui sont sorties jusqu'à maintenant, bon, on n'a pas pour l'instant l'impression d'une vraie amélioration, en tout cas pour les patients type 2. Et selon notre expérience, il faut vraiment déjà que ce soit une indication qui soit posée avec le médecin référent et après discussion avec le CETG, parce qu'on a eu malheureusement des cas dramatiques, notamment pour les gauchers type 2. Donc juste, je voulais dire, méfiez-vous, comme le dit également Michaela dans le chat, il ne faut pas non plus faire de l'automédication parce que c'est un traitement qui est effectivement possible sans autorisation, sans ordonnance particulière à la pharmacie. C'est des sirops d'antitussifs. Il ne faut pas juste se dire, je vais traiter mon enfant par cet antitussif parce que ça peut malheureusement, pour certains patients très malades sur le plan neurologique, ça peut avoir des effets dramatiques. Donc surtout pas d'automédication et si possible, vraiment en discuter avec son médecin, d'autant plus qu'il y aura probablement des essais thérapeutiques en cours. Et donc voilà, juste méfiance par rapport à cette molécule. Pour compléter, il y a eu un essai qui a été arrêté aussi, hein, donc ce qui montre bien la difficulté. Et je voulais insister là-dessus parce que tout à l'heure, quand je parlais des études cliniques, alors moi, je n'ai pas fait de biblio récente sur ce sujet parce que ce n'est pas mon champ d'activité, mais je parle sous couvert de Samia. Les études qui étaient publiées sur l'ambroxol étaient, nous, sur le plan scientifique, étaient un peu fragiles. C'est-à-dire, on n'avait pas une robustesse qui nous permettait de dire nous avons les éléments pour pouvoir dire que ce produit est vraiment efficace et le proposer aux patients. Ça a été donc quelque chose qu'on a discuté à de nombreuses reprises. Donc, c'est toujours un peu délicat, ce type de situation, parce que ça suscite, de façon très logique, des espoirs très importants au niveau des patients. Et sur un plan médical, nous avons des réserves parce que les études ne sont pas assez documentées, pas assez robustes, ne concernent pas un nombre suffisant de patients, ne sont pas montées d'une façon qui soit assez scientifique, si vous voulez. Et on ne peut pas garantir ou proposer dans des bonnes conditions ce produit. Donc vraiment, voilà le genre de choses sur lesquelles nous sommes tous très attentifs. Alors, il y a quand même. Je peux parler? Il y a une petite. Alors, on avait discuté avec Thierry Billette de Villemeur au CETG une indication sur un type 2 ou un type 3 très sévère. Et en fait, il y a des possibilités entre. On ne fait jamais d'études sauvages dans toutes les maladies. Et donc, avant d'avoir une autorisation de mise sur le marché ou d'avoir une étude avec un sponsor qui va financer et surveiller une étude, il y a une possibilité en France d'avoir des protocoles avec l'ANSM qui peut valider des protocoles spécifiques. Et justement, pour la patiente qui devait recevoir de l'ambroxol avec Thierry Billette, on avait encadré ça et il ne faut absolument pas faire ça dans son coin de façon sauvage. Il faut vraiment déclarer aux autorités de santé toute étude qui est faite en dehors d'un protocole qui est, par exemple, déjà admis par et avec un sponsor pharmaceutique. Donc, il y a des solutions, en particulier dans les maladies rares, qui sont négociées par le ministère de la Santé et qui peuvent nous aider pour des cas comme ça un petit peu uniques et un petit peu spécifiques. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est important parce que, contrairement à ce qui avait été dit tout à l'heure, je pense que... ce que je comprends bien, c'est que c'est dans ces cas-là, c'est-à-dire quand on n'est pas dans ce cadre-là, que là, on fait l'expérimentation humaine. Et parfois, on a des patients qui veulent, ce que je comprends évidemment, tellement avoir accès à un traitement qu'ils sont prêts à faire l'expérimentation sur eux-mêmes. On a eu des cas comme ça, hein, qu'on a discuté au CETG avec des familles qui souhaitaient absolument avoir l'ambroxol, quel que soit ce que nous en pensions. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué quand même. Faire attention, il faut que ce soit vraiment encadré et puis qu'on puisse proposer des traitements lorsque on a des preuves de leur efficacité. Juste un dernier commentaire parce qu'il faut qu'on avance sur le dernier topo de Nadia.
Juste la dernière question qui a été posée pour l'administration de l'ambroxol sous forme de sirop ou pas, en sachant que, comme le disait Nadia, que si on fait des demandes auprès de l'ANSM, on peut avoir ce médicament sous forme de comprimé, qui serait plus, enfin, comprimé éventuellement à dissoudre, donc qui serait plus adapté, mais pas sous forme de sirop, une bouteille ou deux bouteilles par jour. Évidemment, ce n'est pas possible pour certains enfants, surtout avec les limitations neurologiques qu'ils peuvent avoir. Donc, toujours en parler avec son médecin, de préférence passer par le CETG pour avoir des choses bien validées et qu'on puisse justement éventuellement par la pharmacie faire préparer ce médicament sous forme de gélule si possible. J'espère qu'on a répondu à la question. Et qu'on puisse suivre ce qui se passe. Tout à fait. C'est vraiment important. Très bien, merci. Nadia, tu veux bien démarrer ton topo? Je partage mon écran, où il est déjà. Cool. Parfait. Coucou tout le monde. Bonjour. Merci. Hop là. Alors, à partir du début. Voilà, ça y est. Vous y êtes? D'accord. Alors, bonjour. D'abord, pour vous dire que c'est un plaisir de travailler avec l'ensemble du CETG. Il y a quelques photos qu'on a prises lors de nos réunions présentes en présentiel auparavant. Et donc, je remercie aussi Samira Zebich qui a participé avec Delphine Genvaz et avec Catherine Marcel à l'élaboration du programme et à l'organisation. Alors, concernant le plan, moi, j'ai à charge de vous traiter COVID, vaccination et aussi maladie de Gaucher. Donc, on va voir la pandémie COVID-19 actualité, le virus et le système immunitaire très vite, les variants, la maladie avec son extrême hétérogénéité, le diagnostic, les vaccins, quels sont les patients vulnérables, et en particulier les patients gauchers vulnérables, et les questions. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, et parfois on a sur les ondes, à la télévision, des scientifiques qui sont assez péremptoires, et j'avoue que c'est assez déroutant parce que dans le monde médical, dans le monde scientifique, le doute est vraiment très important. Il faut toujours garder, avancer, mais garder cette culture du doute. Alors, il y a une recherche qui est galopante, il y a beaucoup d'énergie dans la prise en charge de l'infection à COVID, mais il y a beaucoup d'inconnus encore qui restent. Donc, le coronavirus fait partie de la famille le COVID-19 des coronavirus. Donc, c'est connu depuis bien longtemps, avec initialement une transmission par la chauve-souris, le civet pour le SARS, le premier SARS, le chameau pour le MERS, qui a été décrit en Arabie Saoudite, et pour notre virus, le SARS-CoV-2, qui est Severe Acute Respiratory Syndrome. On voit que c'est un virus qui va donner des signes respiratoires, mais pas uniquement, puisque ce virus va pouvoir toucher tous les organes. Retenons que c'est une maladie très transmissible par des gouttelettes, par des aérosols, et un petit peu moins quand même par le contact, mais également. Donc ça, c'est vraiment très important. L'épidémiologie, alors j'ai pris ça récemment dans le New York Times, on l'a aussi sur le site. Il faut savoir que le site du ministère de la Santé a des informations qui sont très précises sur le COVID-19 et qui sont mises à jour très régulièrement. Vous voyez que c'est une maladie très grave et qui encombre actuellement par une troisième vague nos hôpitaux, qui encombre nos réanimations avec 2,7 millions de décès actuellement dans le monde. Vous voyez aussi que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, eh bien, la France a un taux de patients infectés qui est très important avec le Brésil. Et donc, il y a une vague actuellement sur notre hexagone. Vous voyez qu'en France, il y a 94 275 patients qui sont décédés et vous voyez que 195 patients qui ont eu en mars 28 qui sont décédés. Alors, on voit à droite que les Anglais ont beaucoup de cas, beaucoup plus de cas que nous, mais là, avec la vaccination, on voit que leur vaccination très extensive, ils commencent à avoir une diminution du cas de décès. Donc, il est très, très important pour nous d'élargir la vaccination contre le COVID et c'est ce que l'on fait au quotidien avec nos patients et avec nos patients en consultation et on essaye de convoquer bien évidemment les patients les plus vulnérables. Comme je vous l'ai dit, c'est un virus qui est très contagieux, beaucoup plus contagieux que le virus de la grippe, un peu moins que le virus de la rougeole. Et donc, vous voyez qu'il est même plus contagieux que le virus de la grippe espagnole et que s'il reste avec ce taux de R0 de 2,3, eh bien, il pourra dépasser en décès le virus de la grippe espagnole.
Donc, ce virus, on en a entendu parler, c'est un virus coronavirus parce qu'il a des petites spikes autour et qui lui donnent le nom de couronne. Et ces spikes sont importants parce que c'est à partir de ces antigènes et de petites molécules spike que le virus va pouvoir entrer dans la cellule. Et donc, quand il rentre dans la cellule, il va pouvoir faire ses dégâts et aussi pouvoir se multiplier. C'est un virus à ARN messager, ce qui veut dire que tout son patrimoine génétique, eh bien, va partir de cet ARN messager. C'est à partir de cet ARN messager qu'il va fabriquer, eh bien, le spike, les membranes et puis toute la structure. Donc, quand il va se multiplier, eh bien, c'est à partir de ce code génétique qui est contenu dans cet ARN messager qui va se traduire en protéines, etc. et refaire quand il va rentrer dans la cellule. Vous voyez là, le virus rentre dans la cellule par cette protéine spike. Il y a des récepteurs sur la cellule. Et cet ARN messager, eh bien, ça va être l'usine à fabriquer tous les composants du virus pour refaire de nombreux virus et une multiplication virale. Et ensuite, le virus va sortir. Vous voyez qu'il n'y a aucune implication de notre ADN. En revanche, tout ce qui est appareil cellulaire va être utilisé aux dépens de la fabrication du virus pour refaire de multiples virus qui vont donc envahir notre organisme et pas uniquement le système respiratoire, mais pratiquement tous les organes. Donc, la clinique, on a vu que c'est une maladie très hétérogène et c'est ce qui fait peut-être que l'adhésion au vaccin, l'adhésion même à la croyance, qui est un petit peu dommage pour nous médecins, est un peu compliquée à prendre en charge puisque beaucoup de patients vont être asymptomatiques ou présymptomatiques et parfois avec un test PCR positif. Il y a bien évidemment des formes sévères, des formes légères et des formes modérées. On connaît tous des formes légères avec une anosmie, une aguesie, parce qu'en fait, le virus peut aller sur les cornées du nez et sur les petits lobules olfactifs. Ça donne des infections respiratoires aiguës, un petit peu comme un rhume, de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires, de la toux, des douleurs pharyngées, parfois une angine, et certains patients ont des formes complètement digestives avec des douleurs abdominales et la diarrhée. Donc, on voit l'extrême hétérogénéité, mais c'est vrai que le plus souvent, c'est comme une infection respiratoire des voies aériennes tout à fait modérée. Et puis, une forme un peu plus sévère avec pneumonie, fièvre, toux, sans dyspnée évidente. Et puis, les formes sévères, 14% avec une pneumonie, un essoufflement. Et parfois, l'essoufflement est très brutal. Les gens se sentent bien et brutalement, eh bien, il faut qu'ils soient hospitalisés, voire passés en réanimation parce qu'ils ont besoin d'oxygène. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans cette maladie. C'est la brutalité de la dégradation et la saturation qui baisse. Et puis, dans quelques cas graves, des cas graves, 5% avec un syndrome de stress respiratoire aigu, avec une encéphalopathie, une myocardite, une insuffisance cardiaque, des troubles de la coagulation, on en parle là avec le vaccin AstraZeneca, mais la maladie en elle-même entraîne des troubles de la coagulation avec des thromboses, avec des embolies pulmonaires, des insuffisances rénales cardiaques et une mortalité de 2,2%. Et on sait que dans cette maladie, il n'y a pas que le virus qui va faire ses dégâts et envahir les organes. Dans les cellules, le virus va faire une réaction immunologique et va entraîner ce qu'on appelle l'orage cytokinique. C'est ce qu'on trouve aussi dans chaque virus ou dans certaines maladies auto-immunes où il y a avoir des cytokines qui vont entraîner de la fièvre et qui vont apporter certains dégâts. Donc, dégâts des organes liés au virus lui-même, mais liés aussi à la réaction immunologique. Et on se demande pourquoi certains patients font des réactions immunologiques plus sévères que d'autres. Il y a probablement une susceptibilité génétique. Et il y a des études actuellement génétiques chez les patients pour voir pourquoi certains patients font des formes graves alors que d'autres font des formes moins sévères. C'est un petit peu le cas pour toutes les infections. Et cet orage cytokinique, peut-être que Fabrice nous renseignera parce qu'il est très engagé en réanimation, il fait de la réanimation, il est très engagé en infectiologie, survient en général après 8 jours, entre le 8e, le 12e ou le 15e jour. Et c'est ça qui fait un peu la gravité de cette maladie quand elle entraîne une létalité. Donc là, vous voyez les dégâts pulmonaires que ça peut entraîner. C'est très grave quand il y a plus de 25% du corps qui est entraîné. On a aussi des patients qui ont des lésions cutanées qu'on a découvertes. Au départ, on se demandait de quoi il s'agissait. Donc, des formes avec des espèces d'engelures, comme les formes avec diarrhée ou chez les patients âgés, des formes un petit peu différentes
sans infection des voies aériennes supérieures, mais avec de la diarrhée, des douleurs abdominales ou parfois avec de la confusion et puis qui peut conduire à une encéphalopathie. Donc, la gravité, comme vous le voyez ici, c'est l'atteinte pulmonaire, mais tous les organes peuvent être touchés, le rein, le cœur, avec des myocardites, avec des insuffisances cardiaques et parfois, malheureusement, chez des sujets jeunes et avec des nouveaux variants, malheureusement, on en parlera peut-être avec Fabrice, il y a en réanimation de plus en plus de formes jeunes. Alors, les patients les plus vulnérables, c'est l'âge, l'obésité, les hommes et bien sûr quand on a une comorbidité. Diabète non équilibré avec complications. Et ça, vous pouvez retrouver ces facteurs de vulnérabilité sur le site parce qu'en fait, ce sont ces facteurs-là qui vont aussi conduire vers la vaccination. L'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle lorsqu'elle est compliquée parce que vous imaginez que l'hypertension artérielle, c'est quelque chose de très fréquent. Et donc, la plupart des gens ont une hypertension artérielle stabilisée et sans toutes ces complications, et parfois chez des jeunes. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un facteur de vulnérabilité. L'insuffisance rénale, les cirrhoses, les antécédents d'accidents vasculaires. Et on voit qu'au fur et à mesure, ces critères de vulnérabilité, de comorbidité, eh bien, ont été augmentés parce que les sociétés savantes ont intrigué, ont appelé le ministère en disant « Mais nous, dans nos sociétés, dans nos consultations, on a des patients qui sont vulnérables. » Et les maladies rares, d'ailleurs, en font partie. Les maladies métaboliques en font partie, les maladies hématologiques et des maladies du système nerveux central, la myasthénie, la sclérose en plaques, le Parkinson, la paralysie cérébrale, des tumeurs malignes cérébrales, tout ce que vous voyez ici, les maladies pulmonaires qui retentissent sur la fonction respiratoire, eh bien, font partie de comorbidités et ont été intégrées maintenant dans les indications du vaccin. Et puis, quid des minorités qui vivent dans de mauvaises conditions de vie, promiscuité, foyers, des foyers d'handicapés, puis certains métiers qui sont à proximité. Dans les études aux États-Unis, on a vu qu'il y avait une proportion importante de patients vulnérables, de patients qui ont des mauvaises conditions de vie ou qui ont des métiers à risque et qui encombrent les réanimations, comme à New York, ça s'est vu. Il ne faut pas négliger, certains jeunes disaient au début, oui, mais ça ne va pas me toucher. Il y a maintenant des formes chez les plus jeunes. Et aussi, on a des séquelles à long terme. On a publié récemment dans le Journal of Infectiology, dans notre service, on a rappelé tous les patients qui étaient rentrés chez eux après soit une réanimation, soit après une forme grave. Beaucoup se plaignent de Covid long, avec fatigue, vertige, céphalée. Ils ont l'impression d'avoir des troubles cognitifs, des troubles de concentration, une agueusie persistante. Il faut savoir que l'anosmie, dans certains métiers, c'est un handicap et ça peut durer longtemps. Il faut faire une rééducation, c'est de sentir des odeurs, mais ça peut durer longtemps. Et puis, surtout chez certains patients, une diminution de la capacité pulmonaire avec une dyspnée et un essoufflement. Et on a remarqué que beaucoup de femmes jeunes, dynamiques, qui faisaient du sport, parfois du marathon, avaient ces séquelles de Covid long avec des examens qui paraissaient complètement normales. Peut-être une perturbation cytokinique avec des séquelles dans les organes et peut-être aussi une perturbation du système parasympathique. Sympathique, il y a des recherches qui sont faites sur ce sujet. Mais il faut savoir qu'on connaissait ce syndrome de fatigue chronique au décours des syndromes viraux comme des infections, la mononucléose infectieuse. Donc, c'est tout ce que ça fatigue pendant des mois. La grippe peut fatiguer pendant longtemps. Donc, tout ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est exacerbé grâce à la connaissance qui s'est améliorée grâce à cette pandémie. Juste pour vous dire que l'incubation est de 5 jours, entre 2 et 14 jours, que la période de contagiosité avec la détection de l'ARN viral est de 2 jours avant l'apparition des symptômes, et c'est ce qui fait la difficulté, c'est qu'on peut être contagieux alors qu'on est complètement asymptomatique. Le pic de charge virale, c'est les 7 premiers jours, et l'ARN est détectable jusqu'à plus de 4 semaines. Alors, est-ce que cet ARN qu'on détecte est toujours aussi contagieux? Point d'interrogation. Et donc, à ce moment-là, il faut refaire des PCR et il y a des études qui sont faites. Donc, vous voyez qu'au début, forte contagiosité, on sécrète des anticorps qui sont des IgM, presque en même temps que des IgG, ce qui fait que ça n'a même pas d'intérêt de faire des IgM parce que les IgG arrivent au début. Et surtout, il n'y a pas que des anticorps. Cette diapo montre l'immunité humorale. Je fabrique des anticorps. Il faut savoir qu'il y a aussi des cellules immunitaires qui sont des cellules mémoire, des lymphocytes qui vont garder en mémoire l'infection. Et donc, à côté de cette immunité humorale, il y a une immunité cellulaire. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'anticorps, peut-être que le patient ne va pas être suffisamment immunisé, il n'aura peut-être pas fait assez d'anticorps neutralisants. Est-ce qu'il peut rattraper une deuxième fois le Covid? Mais il ne faut pas négliger, il y a des études qui montrent que sa mémoire immunitaire peut garder en mémoire cette immunité est sécrétée dans un deuxième temps des anticorps par des lymphocytes qui sont spécifiques.
Donc, le diagnostic biologique, c'est la PCR qui voit les composants viraux. Bien sûr, il y a le diagnostic indirect qui est fait plus tard avec l'apparition des anticorps. Donc, vous voyez qu'au début, c'est le virus et ensuite la sérologie, c'est les anticorps. Donc, la production d'anticorps, séroconversion dans les troisièmes semaines, au départ des IgM, mais presque en même temps les IgG vers les 9 et 11e jours. Et en général, le taux d'anticorps est corrélé à la sévérité de la maladie, mais ce n'est pas une relation qui est complètement stricte. Donc, la PCR, eh bien, vous savez comment ça se fait, par voie nasopharyngée. Malheureusement, parfois, tout le virus est dans les poumons et on peut le détecter par une fibroscopie et lavage alvéolaire. Et ça, ça peut représenter des faux négatifs. On peut ne pas le retrouver dans la PCR nasopharyngée parce que c'est des faux négatifs et la réplication, la multiplication du virus est limitée au poumon. Dans ce cas-là, il faut réaliser un prélèvement respiratoire profond. Donc ça, c'est le petit défaut, donc avec des défauts négatifs. Puis parfois, les PCR sont persistants. Les patients viennent nous voir, ils ont fait le COVID il y a un mois, il y a trois semaines. Quelle est la significativité clinique d'une PCR à plus de 15 jours? On a vu que c'était souvent des patients immunodéprimés, avec une possible réplication virale prolongée, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à se défendre contre ce virus, donc ils répliquent plus. Mais est-ce que les patients sont-ils plus contagieux? Et on se pose la question si le fait de porter pendant plus longtemps ce virus va entraîner une plus grande fréquence de nouveaux variants. Donc, la conclusion sur les tests, le meilleur test, c'est la PCR sur un prélèvement nasopharyngé, c'est le test de référence. Il y a des tests rapides antigéniques, mais c'est plutôt à faire sur des plus grandes cohortes. Le dépistage, pareil, le test antigénique nasopharyngé. Sur la salive, actuellement, il y a des études. Les études sont un petit peu contradictoires. Je ne suis pas spécialiste pour conclure sur ce point-là. La sérologie sur les anticorps, c'est le diagnostic rétrospectif et le suivi après les vaccins, mais on ne le fait pas en routine. Et le séquençage, c'est-à-dire que le génome de cet ARN, eh bien, on le fait pour détecter s'il y a des nouveaux variants. Et comme vous le savez, c'est très à la mode, ces nouveaux variants qui nous inquiètent. Il y en a, le premier a été détecté en Angleterre, au Brésil, en Afrique du Sud, en Californie. Et penser que ce nouveau variant ne nous aurait pas attaqué, je ne vois pas comment, même s'il y a moins de circulation, et on voit qu'actuellement, le nouveau variant est très prédominant. Donc, est-ce qu'il est aussi protecteur? Est-ce que la vaccination il va répondre aussi bien sur son nouveau variant? C'est un petit peu les questions qui se posent. Donc, émergent de nouveaux variants SARS-CoV-2 depuis l'automne, dissémination très accélérée depuis décembre, le nombre de cas est un peu sous-estimé, mais là, on voit qu'avec les tests, eh bien, on en voit de plus en plus. Il se réplique plus, surtout celui d'Afrique du Sud, donc il est plus contagieux. Est-ce que celui d'Afrique du Sud serait plus mortel? Point d'interrogation. Et puis, il y a d'autres variants, mais ça, on est habitué aux variants. C'est très intéressant parce que pour la population générale, l'ARN messager, les vaccins à ARN, les vaccins à virus, les variants, mais nous, on connaît ça un petit peu depuis longtemps. La grippe, eh bien, il y a des variants chaque année, c'est pour ça qu'on se vaccine chaque année. Quel est l'impact sur les sensibilités des anticorps? Et donc, il faut être vigilant sur la réponse vaccinale et il est très important qu'il y ait des études qui se fassent à Pasteur ou dans d'autres laboratoires de recherche sur le génome viral pour voir l'émergence de ces variants. Je vous dirai deux mots sur le traitement. En gros, il y a une littérature énorme. Il y a deux traitements qui se dégagent. C'est la dexamétasone, c'est le corticoïde pour prévenir cet orage cytokinique dès qu'on a des problèmes respiratoires. Et puis surtout, on voit lors de sa troisième vague, moi je suis dans un service où on fait de l'infectiologie et on voit qu'il y a des sortants, les malades arrivent à sortir parce qu'on a amélioré les techniques respiratoires, on donne maintenant ce qu'on appelle de l'optiflow, on sait mieux réanimer, on sait mieux oxygéner, on donne des anticoagulants pour éviter les thromboses qui font partie du tableau. Les autres sont discutables ou inefficaces. Il y a un article qui est sorti, on a partagé avec Marc Berger et avec Christine Serratrice, où en fait les laboratoires ou bien les chimistes, ils testent différents médicaments, ça s'appelle le repositionnement des médicaments. Il y a peut-être des médicaments, et ça a été le cas probablement d'hydroxychloroquine, qui a un petit effet antiviral in vitro. Mais est-ce que d'avoir un effet dans le tube à essai sur une baisse de virus entraîne une diminution de la maladie? Ça, ça reste encore à démontrer. Donc, les différents types de vaccins maintenant, il y a des vaccins vivants qui sont atténués, comme rougeole au rayon
et rubéole. Il ne faut surtout pas les donner chez les patients immunodéprimés. Il y a des vaccins inactivés où le virus il est mort, grippe, polio, hépatite A. Et puis, il y a des vaccins récombinants. Le but du vaccin, c'est de faire fabriquer des anticorps par l'organisme sans être infecté pour fabriquer des anticorps lorsqu'on sera en contact avec l'infection. Donc, là, dans ce cas-là, les virus ARN messagers, eh bien, la technique du vaccin ARN messager, on donne cet ARN messager dans une particule lipidique qui est bien protégée et c'est ce vaccin, cet ARN messager, qui va produire des anticorps et en particulier contre cette protéine spike, cette protéine qui se fixe sur le récepteur qui s'appelle ACE et qui va faire en sorte que le virus va pouvoir rentrer, envahir les cellules et se multiplier et faire tout cet orage avec cytokinique. Donc, c'est une technique assez extraordinaire et donc, comme ça, le virus va être neutralisé. Alors, certains nous disent, mais enfin, cette technique, on n'en a jamais entendu parler, c'est la première fois. Non, c'est une technique qui existe depuis de nombreuses années, qui a été utilisée dans certaines pathologies cancéreuses. Et il y a eu des moyens. Donc, en fait, la recherche est allée très vite parce qu'il y a eu des moyens financiers. Les laboratoires de recherche se sont précipités. Il y a eu les politiques, il y a eu les agences de santé qui ont travaillé. Toute l'énergie a été, ces dernières années, mise sur le vaccin contre le Covid. Et c'est pour ça que ça a été si vite. Ce n'est pas parce qu'on a voulu que les étapes soient diminuées. Toutes les étapes sont bien réglementées. Et vous voyez sur cette échelle que ça fait depuis plus de 10 ans qu'on travaille sur l'ARN messager. Et Oxford University travaille sur le vaccin AstraZeneca depuis plus de 10 ans parce qu'il s'est dit un jour s'il y a un SARS, et puis le SARS existe hein, depuis longtemps, eh bien on va travailler sur le vaccin. Donc la technique, ils l'avaient et donc ils ont juste accéléré comme les processus d'acceptation, d'autorisation sur le marché qui ont été accélérés. Et donc vous voyez que là, en 66 jours, l'immense rapidité de la sortie de ces vaccins. Et puis ces vaccins n'ont pas été faits sur quelques patients. Vous voyez, Pfizer, plus de 43 000 patients, Moderna, plus de 30 000, Johnson & Johnson, 44 000, AstraZeneca, 30 000. Donc, on a vraiment beaucoup de données. Mais cette donnée, elle est dans la littérature scientifique et elle est difficile à vulgariser lors d'un journal télévisé, par exemple. Hein. Et nous, en tout cas médecins, on a été ravis quand on a vu dans le New England Journal of Medicine cette efficacité dans si peu de temps du vaccin Pfizer, où vous voyez le nombre d'infections avec le placebo et avec l'efficacité à plus de 95% avec ce vaccin, c'est assez extraordinaire. Donc, quelques effets secondaires du vaccin, le plus souvent c'est céphalie, fièvre, fatigue et puis une douleur au point d'injection. Cette douleur au point d'injection, elle survient souvent après la deuxième dose, en particulier par le Pfizer. Moi, j'ai été vaccinée. La première dose, j'ai assez supporté. J'ai eu un peu mal au muscle et mal au bras. Et la deuxième dose, alors là, j'ai eu un peu 38,5. J'ai eu un peu mal au muscle et puis j'étais pas bien juste le lendemain. Peut-être, maintenant, on sait qu'il faut prendre du Doliprane. Et là, je vais parfaitement bien et je suis très rassurée d'avoir eu ce vaccin. Donc, pour vous montrer l'efficacité vaccinale avec le vaccin ARN, Pfizer ou Moderna, c'est plus de 90%, 95% et 94%. Et les effets secondaires, vraiment, on en a vraiment très peu avec ces vaccins ARN. Très, très rassurant. Vous voyez, c'est toujours un petit peu tous les vaccins. Et surtout, après la deuxième dose, c'est vrai que moi, j'aurais dû prendre un peu de Doliprane et puis peut-être pas avoir beaucoup de malades à voir le lendemain. Ça, c'est important. Mon fils a été vacciné. Il est de garde en réanimation en ce moment-là et c'est assez la catastrophe. Et il n'a pas pris sa garde le lendemain de la deuxième injection. C'est pareil, hein, l'efficacité pour le vaccin Moderna à 94%. Le délai entre chaque injection, J10 et J21 pour Pfizer. J10 et un mois pour le vaccin Moderna. Je vous passe toutes les modalités pratiques des vaccins ARN. Ça a été très difficile à mettre en route. On ne pouvait pas faire d'emblée des gros vaccinogodromes parce qu'il fallait pomper. Les seringues n'étaient pas toutes faites. Et en plus, il y a une technique vaccinale où c'est dans le muscle d'extloïde de façon très perpendiculaire avec des aiguilles qui parfois étaient trop petites parce que ça n'allait pas jusqu'au muscle parce qu'il faut vraiment aller dans le deltoïde. Il ne faut surtout pas serrer. Il faut écarter et piquer à 90 degrés pour que vraiment ce soit dans le muscle.
Alors, y a-t-il des contre-indications au vaccin? Eh bien, en fait, c'est l'allergie au polyéthylène glycol et au polysorbate. Sinon, il n'y a pas les autres allergies. Alors, bien sûr, quand on a fait un choc anaphylactique, etc., ou quand on a fait une anomalie à un vaccin, il faut prévenir le médecin. Et à ce moment-là, il peut y avoir une consultation d'allergologie, mais c'est exceptionnel. Alors, on parlera peut-être après de l'AstraZeneca parce que ça change tous les jours. On en parlera peut-être entre nous et avec Fabrice. Juste pour vous dire que de façon diverse, j'ai encore que trois diapos. On sait que le groupe sanguin au plus, il y a moins de formes sévères par rapport au groupe A. Donc, vous voyez encore une susceptibilité génétique. Mais on sait qu'il y a des gens qui font des infections plus que d'autres. La durée de l'immunité, on sait qu'elle est de 1 an. Est-ce qu'elle sera plus après le vaccin? Grossesse et Covid, grossesse et vaccin, on commence à entendre des choses sur des grossesses qui se passent peut-être un peu moins bien pour l'enfant. Donc, est-ce que le vaccin, pour l'instant, est contre-indiqué? Règles de distanciation et masques à poursuivre, même pour les vaccinés, parce qu'on a les anticorps, mais on peut avoir le portage si on n'a pas le masque et qu'on rencontre quelqu'un qui est infecté. Donc, certains diraient que seuls 2 vaccinés ensemble peuvent enlever leur masque. Alors, gaucher et Covid-19 en France, pour finir, bah, c'est les mêmes en fait règles que concernant les comorbidités, parce que le gaucher, bah, c'est une maladie toute une vie. Donc, on peut avoir une maladie de gaucher et un diabète, une obésité, un alcoolisme, une fibrose hépatique, une maladie de Parkinson, et donc une maladie hématologique. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on fait partie des patients à risque et des patients qui peuvent être éligibles pour la vaccination. Se pose entre nous quand même le fait d'avoir une maladie rare. On a vu, c'est un petit peu vague. La maladie de gaucher, c'est rare, mais il y a des gauchers qui ne sont pas traités, qui n'ont pas de comorbidité, qui se portent bien et qui, toute leur vie, n'auront pas besoin de traitement. C'est rare, mais ils ne sont pas éligibles à une vaccination normalement. À côté de ça, il y a la splénectomie qui diminue un peu les défenses immunitaires de certains germes. Mais vous savez qu'il faut être vacciné contre le pneumocoque. Il y a une fibrose hépatique et quand même parfois une complication des gauchers quand ils ont été traités tardivement. Diabète et surpoids, il y a quand même des publications qui montrent qu'il y a un petit peu plus de diabète et de surcharge pondérale chez certains patients qui ont la maladie de gaucher traitée. Alors, quelle a été l'expérience française, nous, de notre lutte contre et de l'information pour gaucher et Covid? On a fait avec le CETG à VML un webinar qui a été regardé à plus de 700 fois, mais c'était au tout début. Au tout début, on vous a tous dit de rester chez vous, de ne pas trop bouger, de peut-être arrêter le traitement transitoirement pour ne pas être en contact avec le virus. Lorsque les vagues se sont apaisées, eh bien, tout est redevenu à la normale. Les patients ont été traités dans leur hôpital de jour, chez eux. Et en gros, globalement en France, il n'y a pas eu d'arrêt de traitement. Il y a eu quelques switches vers de l'éliglustat. Donc, on a fait des recommandations. Moi, dans ma cohorte de patients, j'ai 5 patients qui ont une maladie lysosomale, qui ont eu le Covid, et 3 qui ont eu le gaucher, dont 2 splénectomisés. Les 2 ont plus de 60 ans, une a plus de 70 ans. Aucun n'a fait une forme grave, mais j'attends un petit peu le suivi des autres patients. Sur le plan international, nous sommes allés tous ensemble en webinar sur Zoom regarder le congrès international où on a aussi présenté nos travaux. Il y a une étude italienne, la plupart des études se sont faites sur questionnaire. Donc, scientifiquement, ce n'est pas hyper valide, mais ça donne une idée. En Italie, 50 patients traités, 194 sous traitement enzymatique, 55 sous inhibiteur de substrat, Serdelga, 70 en HAD. Eh bien, il y a beaucoup de patients qui en ont profité pour passer à domicile et ce n'est pas facile d'organiser en Italie, en Espagne, le domicile parce que c'est montagneux, parce que c'est très régional comme politique, etc. Et donc, ils ont parfois du mal avec l'HAD. Donc là, ça donnait un petit coup de pouce sur l'hospitalisation à domicile. 5 patients sont passés sous éliglustat parce qu'ils ne voulaient pas retourner à l'hôpital. Donc, on voit cette hypothèse. Et il y en a 11 qui ont eu moins de séances parce qu'ils ont décliné des séances pour ne pas avoir d'infirmières qui viennent à domicile ou pour avoir à se déplacer. Et dans leur cohorte, un seul patient a eu le gaucher et c'était un gaucher léger. Il y a eu le Brésil, pareil, des questionnaires. La plupart, ils ont arrêté pendant les vagues successives 32 patients qui ont eu un traitement tous les mois plutôt que tous les 15 jours. Donc, on voit quand même qu'il y a un retentissement sur la prise en charge de la maladie. En Allemagne, ils ont moins de patients qui ont eu le Covid. Pas de Covid, pas de changement de traitement, tout bien, bien organisé. En Espagne, 250 patients Covid splénectomisés. Il n'y a qu'un patient qui est décédé, il avait 79 ans, une hypertension artérielle, un diabète. Il y a 25% qui ont eu une interruption de dose et 10% qui ont switché pour éliglustat.
Et il y a une publication de Pramod Mistry et de Iderlo à New York et puis aux États-Unis où ils ont 16 patients qui ont eu le Covid. C'est là où, parmi les pays, on a le recensement de plus de Covid. Aucun décès et ils avaient une réponse anticorps normale. Donc, Marc va vous parler peut-être, il faudrait qu'on en sache un petit peu plus en France, hein, parce que les retours, on les a par rapport à nos patients. Travaux de recherche du groupe de la filière, caractéristiques des patients qui ont la maladie de Gaucher. Donc, il va vous en parler. Donc, je vous remercie. Je reste disponible pour toutes les questions. Je me suis inspirée de topo de Anthony Fauci, que je vénère, puisqu'il s'occupait des maladies, des vascularites, des maladies auto-immunes que j'aime beaucoup, que je connais. Voilà. D'un webinaire très intéressant du Johns Hopkins Hospital. Et il y a un site qui s'appelle COREB, Coordination opérationnelle risque épidémiologique et biologique, fait par la Société savante infectieuse de SPIF, qui est remis à jour très régulièrement et qui est parfait avec des très belles diapos. Et sur santé.gouv, vous avez vraiment, je suis encore allée tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup d'informations et j'ai eu, je dois dire, moi, tendance à négliger parce que, par exemple, pour les tableaux, j'allais bêtement sur New York Times parce que j'aime bien savoir dans le monde. Voilà. Et on n'est pas les plus mauvais en Europe, les plus mauvais. Et puis l'Europe, c'est l'Angleterre. Ensuite, il y a l'Italie. Ensuite, actuellement, il y a la Tchécoslovaquie. Il y a l'Espagne. Et voilà, donc on aurait pu faire mieux, mais je veux dire, c'est pas mal quand même. Je vous remercie de votre attention. Merci Nadia pour ce topo complet hein, sur Covid. Juste une petite précision sur l'étude qui est en cours en France, mais effectivement, c'est Claire Douillard à Lille qui gère cette étude. Et en fait, c'est une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un questionnaire qui est envoyé à votre médecin pour savoir, pour les cas qui ont eu le Covid, prouver quelles sont les conséquences sur la maladie, sur le traitement, est-ce qu'il a été déplacé, diminué, est-ce qu'une perfusion, par exemple, n'a pas pu être faite. Alors, c'est une étude qui est faite pour l'ensemble des maladies métaboliques, donc pour la filière qu'on appelle G2M, dans lesquelles rentre la maladie de Gaucher, et qui est en cours. Il y aurait un projet pour l'étendre à l'échelle de l'Europe. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'il se trouve que, finalement, comme vous l'avez vu, Nadia l'a très bien expliqué, le nombre de patients Covid+, parmi les maladies métaboliques, semble assez faible. Mais c'est ce que l'on voit en fait avec toutes les maladies chroniques et puis importantes, c'est-à-dire que vous êtes tous sensibilisés à vos problèmes de santé, donc tout ce qui concerne la santé vous concerne en premier chef, vous êtes sensibilisés à ça, et donc vous êtes plutôt une catégorie de patients qui va être assez respectueuse de tous les gestes barrières, toutes les précautions, et ce qui fait qu'on a pas beaucoup de contamination en fait dans tout ce type de maladies. C'est moi qui suis hématologue, c'est la même chose pour les gens qui ont une leucémie, hein, c'est-à-dire qu'ils sont tellement sensibilisés à leurs problèmes qu'ils ont très peu de Covid en pratique. Sauf bien, enfin, il y en a bien sûr, mais voilà. Donc le but est peut-être, pour mieux comprendre ce qui se passe, de faire une étude plus large et de récolter le maximum de cas, mais en sachant que pour l'instant, comme vous l'a dit Nadia, il n'y a pas de prédisposition évidente à des formes plus sévères quand on a une maladie de Gaucher. Et donc, il n'y a pas de risque supplémentaire, ce qui n'empêche pas qu'il faut rester très prudent, bien sûr, jusqu'à ce que la majorité de la population soit vaccinée. Donc, voilà un petit peu ce que je peux en dire. Par rapport alors, au... Juste peut-être... Alors, en tant que rhumatologue, là, je vois la différence parce que je prends en charge des maladies inflammatoires chroniques. Et là, clairement, les patients qui cumulent une surcharge pondérale, une corticothérapie à plus de 10 mg et des traitements immunosuppresseurs, en particulier un qui attaque les CD20, le rituximab, j'ai eu récemment, la vague commence à arriver parmi mes patients de rhumatologie avec deux décès. Hein, Peut-être aussi… Pour le réinsister, mais tu l'as dit Nadia, sur le caractère à haut risque de la splénectomie, c'est valable pour le Covid. Oui. Et je pense aussi au type 3 qui pourrait avoir des manifestations neurologiques. On a aussi dans cette catégorie de personnes un plus haut risque de Covid et donc au moins un recours à la vaccination peut-être plus précoce que ce qui est en ce moment le cas dans la population générale. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une information là-dessus. Je suis complètement d'accord, plus spécifique. Et en particulier, il y a des types 3 qui sont
comme certaines maladies lysosomales qui sont en foyer ou qui sont dans des structures. Et je crois qu'il faut faire très, très attention parce qu'on attrape beaucoup de Covid dans des structures institutionnelles, hein, quand même. Hein, où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de soignants. Il y avait du coup une question pour savoir si, justement, d'une part, est-ce qu'il y aurait des indications. Enfin, Samia a répondu, mais c'est une question que je repose quand même parce que comme il y a un enregistrement que de ce que nous disons et pas du chat pour l'instant. La vaccination des enfants est-elle indiquée et la vaccination des parents d'enfants malades est-elle indiquée? La réponse est non. Pour l'instant, les études cliniques sont en cours chez l'enfant. Il y a des cas particuliers, peut-être Samia en a, de jeunes patients qui sont à très haut risque, qui ont pu être vaccinés hors essai clinique. Pour l'instant, la réponse est non et il n'y a pas, à ma connaissance non plus, de recommandation concernant les parents d'enfants malades. C'est du cas par cas. Tous les centres de vaccination peuvent aussi, et les médecins qui vaccinent, peuvent aussi avoir un cerveau et éventuellement se poser la question du cas très, très particulier de la maman, notamment, qui a un enfant à haut risque à la maison, de vacciner cette maman. De soinsdesante.gov, là j'ai vu, je n'étais jamais allée aussi en détail qu'avant ce topo, il y a vraiment toute une littérature avec pas mal de paragraphes sur les familles de patients vulnérables, hein, et c'est assez élargi, hein, et moi de façon un petit peu instinctive, intuitive, j'ai fait vacciner beaucoup de, alors pas tant dans la maladie de Gaucher, mais plutôt dans les mucopolysaccharidoses, avec des adolescents vraiment très à risque, avec un petit thorax, un petit poumon, une maladie cardiaque, etc. Et j'ai été assez large sur... Il y a même 2 mois, hein, sur la vaccination des parents, des aidants qui parfois avaient des métiers à risque, soit dans l'industrie alimentaire, soit qui étaient soignants eux-mêmes, infirmières ou gardes d'enfants ou travaillant dans une école. Hein. Mais tu as raison, Fabrice, c'est vraiment à prendre en cause à la consultation avec l'ensemble de la famille. Et puis moi, c'est des ados, des jeunes adultes, donc c'est plus facile parce que ça rentre dans le cadre de la vaccination. Ouais. Alors, juste pour... rebondir dessus, c'est effectivement comme on le disait, je pense que c'est du bon sens. La vaccination contre le Covid, c'est aussi comme la vaccination pour la grippe. On dit que les parents des soignants doivent se faire, des patients gauchers doivent se faire, notamment les types 2 et éventuellement certains types 3, doivent se faire vacciner parce que n'importe quelle infection peut effectivement donner des formes respiratoires plus graves, pas que pour le Covid, mais que ce soit pour la grippe et pour toute autre infection. Mmh. Donc, c'est juste du bon sens. Si on se vaccine contre la grippe, c'est logique de se vacciner contre le Covid aussi. C'est vrai qu'actuellement, ça ne fait pas partie des recommandations officielles, mais comme le dit bien Nadia, en insistant, on peut quand même avoir plus facilement accès à certaines vaccinations. Tout dépend de la région, tout dépend de... Il y a beaucoup, beaucoup de critères, malheureusement, qui rentrent en jeu, en sachant que parfois, certains patients de plus de 70 ans, actuellement, n'arrivent pas encore à se faire vacciner. Il y a beaucoup de choses... À mettre sur la balance. Je pense qu'il n'y a pas de priorité pour les parents Covid par rapport à d'autres patients qui sont eux-mêmes vraiment qui ont des comorbidités importantes. S'ils peuvent se faire vacciner, s'ils peuvent avoir accès au vaccin, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas non plus, il ne faut pas non plus se battre pour faire vacciner. Et il faut toujours, on le sait très bien, mettre en avant surtout tout ce qui est gestes barrières, mesures barrières qui sont, on le sait, efficaces, pas à 100%, mais qui sont quand même bien efficaces pour ce genre d'infection. Et donc, par rapport à un commentaire qui est sur le chat et qui indique, oui, si je comprends bien, les patients gauchers ne sont pas aujourd'hui prioritaires pour la vaccination. Donc, pour résumer, vous aurez compris que selon le contexte, notamment les patients qui ont les formes les plus sévères, eh bien, on peut quand même discuter de la vaccination. Également, les spécialisés, on va retenir essentiellement ces deux cas pour la vaccination. Pour les autres, entre guillemets, il n'y a pas de risque particulier par rapport à la population lambda, en dehors des comorbidités, comme Nadia l'a très bien détaillé, obésité, etc., etc., qui évidemment sont à prendre en compte. Ça veut dire que chaque cas va être particulier et on va peser l'indication de la vaccination en fonction de ces comorbidités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Je vois que Fabrice Camus a partagé son écran avec la vaccination pour le grand public. Voilà, juste pour vous rappeler les catégories d'âge
Et les vaccins, les marques de vaccins qui sont préconisées pour insister donc sur le fait que ça devient un peu compliqué en fonction de votre classe d'âge, du fait notamment, vous l'avez bien entendu, des polémiques autour des risques de thrombose pour le vaccin AstraZeneca, qui aujourd'hui n'est recommandé qu'au-delà de 55 ans. Donc au-dessus de 55 ans, les personnes peuvent recevoir Astra ou Pfizer Moderna, en dessous, exclusivement Pfizer ou Moderna. Sous Astra, et c'est que des jeunes qui ont fait des thromboses, c'est cela? J'ai loupé le début de la phrase. Sous AstraZeneca. C'est parce que sous Oui, absolument. AstraZeneca, ce ne sont qu'une population jeune qui a fait des thromboses. Et nous, nos infirmières ont eu une première injection Astra, et là, on a tout arrêté, et elles n'ont pas de deuxième injection parce qu'elles font partie de la tranche d'âge plus jeune qui a été déclarée comme faisant des thromboses. C'est un peu compliqué pour la population à comprendre. Comme vous rappelez, c'était interdit après 60 ans, fut un temps, et puis maintenant c'est indiqué après C'est 55. Donc, autorisé. Je crois qu'il faut quand même retenir que ces vaccins, en termes d'efficacité vaccinale, sont dans un mouchoir de poche. Dans les essais dont a parlé Nadia, il y a des anomalies, on va dire, dans la façon dont a été fabriqué l'essai thérapeutique qui peut occasionner une illusion de moins bonne efficacité, mais Astra fonctionne bien. Simplement, il y a ce risque qui ne peut pas être pour l'instant complètement gommé. C'est la raison pour laquelle, par précaution, on a écarté les moins de 55 ans avec l'Astra. J'ai juste remis à l'écran également les formes, les comorbidités qui sont retenues pour les personnes qui ont entre 50 et 70 ans. Donc, vous le voyez, c'est l'obésité, le diabète, et on peut faire rentrer les maladies neurologiques, les facteurs de risque d'hypertension notamment, dans cette catégorie-là. Et les gens de moins de 50 ans qui peuvent recevoir là le vaccin aujourd'hui, c'est vraiment des cas très, très particuliers. Hein. Et on trouve effectivement dans la liste des cas qui peuvent entraîner des formes très graves de Covid à moins de 50 ans, la splénectomie. C'est là qu'on le trouve. Voilà, mais du coup, la splénectomie est un risque Ouais. transversal de n'importe On quel m'avait dit patient. qu'il faut. Je voudrais juste insister sur une chose parce que, en fait, c'est un principe de précaution. Hein. Moi, enfin, les infectiologues que j'ai autour de moi indiquent que les cas de thrombose qui sont rapportés avec AstraZeneca ne sont pas supérieurs à ce qu'ils connaissent avec d'autres vaccins hors Covid. Eh oui. Donc, ça, c'est juste pour relativiser un peu. C'est-à-dire que, bon, dans le contexte actuel, c'est évident qu'avec la pression politique, tout ce que vous voulez, et la nécessité d'une transparence absolue, les autorités ne prennent pas de risque et suspendent le vaccin. Ça paraît logique, hein, enfin, il ne faut pas perdre de vue. Mais en l'état de cause, sur un plan scientifique, le risque n'est pas plus élevé, pour l'instant en tout cas, avec les autres vaccins connus. Mais il y a un tel braquage des projecteurs sur le vaccin anti-Covid actuellement que, évidemment, au moindre doute, le vaccin est suspendu, on bouge un peu les tranches d'âge, enfin bref, il y a une adaptation qui se fait au fil de l'eau en raison de vraiment du contexte. J'ai vu une question passer dans le chat concernant la façon dont on peut faire valoir sa comorbidité ou son problème de santé. Donc moi, j'encourage les gens à se rapprocher de leur médecin généraliste pour évoquer le cas particulier de voilà, j'ai eu une ablation de la rate. Et auquel cas, votre médecin peut a un site internet en fait, le site de l'assurance maladie, sur lequel il peut vous faire un certificat médical, disons que vous relevez de la catégorie, si vous avez par C'est exemple moins de ça. 55 ans et que vous relevez de la catégorie parce que vous avez eu une ablation de la rate, ben, vous avez le certificat et vous vous présentez en centre de vaccination pour recevoir Pfizer, mais votre médecin peut aussi vous vacciner avec Astra. Le problème, c'est que dans les maladies rares, le médecin traitant souvent, d'abord là, il est débordé, il ne sait pas. Et Il se là, trompe on a d'année. avec Samira, on a plein de coups de fil dans un Ouais, c'est appareil. ça, il dit, voyez votre spécialiste. Voilà. Et donc là, je ne vous cache pas que, bon, moi, je fais des certificats, hein,
Oui, moi aussi, bien sûr. Et ça marche, bien sûr. Et on trouve des places. C'est parce que les gens, ils n'osent pas parfois, alors qu'ils ont des facteurs de comorbidité, qu'ils sont éligibles à un vaccin. Parfois, on entend, mais je ne veux pas passer devant quelqu'un. Mais là, vous rentrez dans la case, vous avez un facteur de risque, vous avez mon certificat, allez-y. Alors que d'autres, au contraire, vont se faire vacciner. Alors que c'est compliqué actuellement, l'équité territoriale et l'équité tout court, hein. Quand les vaccinodromes vont arriver assez largement sur le territoire, beaucoup de vaccinodromes vont être alimentés en Pfizer justement pour répondre au plus grand nombre. À Bordeaux, par exemple, il ouvrira le 10 avril et donc les personnes qui s'y présenteront recevront une injection de Pfizer. Donc les personnes, par exemple, splénectomisées qui ont moins de 55 ans et pourront s'y rendre. Mais bon, dans certaines régions, nous c'est le cas, on a des difficultés à faire vacciner des gens de plus de 75 ans. Hein. Ah oui. Toujours. Et la liste d'attente est longue. Bon, il y a un commentaire. Docteur Camus est une bonne source d'information pour ma part. Donc, très bien. Fabrice. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je ne vois pas d'autres questions. Arrive pour l'instant, parce que du coup on va être à peu près au bout du temps que nous étions donnés. Donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, il y a une dernière question, je peux peut-être répondre. Grève osseuse est-elle toujours d'actualité pour le bébé? Non. Non, pour les formes neurologiques, malheureusement, on sait que ça ne fonctionne pas. Non. La question peut se poser pour, mais dans des cas très, très particuliers, pour des gauchers type 1 avec juste une forme viscérale qui n'ont pas accès au traitement substitutif enzymatique, donc qui habitent dans des pays où on n'a pas accès au traitement. Mais malheureusement, d'une part en France, non. Et pour les formes neurologiques, on sait malheureusement que ça ne fonctionne pas, ça n'a pas plus de bénéfices pour les formes neurologiques. Et il y a un risque, parce que ce n'est pas un traitement sans risque. Avec une chimiothérapie extrêmement lourde, avec un risque de mortalité pendant la greffe qui n'est pas du tout négligeable. Je voudrais revenir sur le bilan et les investigations. Nadia, une question. Oui, je voudrais revenir sur le... Ah oui. Vas-y. Juste sur les investigations que l'on fait pour vous suivre pour votre maladie de Gaucher. C'est ça. Je dois dire qu'avec Samira, on a pris du retard. Parce que on a limité lors des vagues successives les venues et que là on a plein de patients qui n'ont pas eu à temps leur investigation. Alors il y en a qui s'inquiètent, il y en a qui ne s'inquiètent pas du tout. En gros, il faut quand même savoir que il y a certaines investigations qui sont de la routine pour être sûr que tout va bien, que le traitement est bien supporté et qui n'ont pas de facteur d'urgence et qui peuvent être décalés un peu, d'accord. On a un œil quand même sur les patients les plus vulnérables, ceux qu'il faut faire revenir, qui ont été sous Eligusta récemment et qu'il faut revoir l'efficacité du traitement. Cependant, on peut oublier. Hein, moi, on a beaucoup de patients à Beaujon et à ce moment-là, je vous invite à tous à nous poser la question ou si ça ne va pas surtout, s'il y a une manifestation clinique, à revenir vers nous pour dire « mais là, je n'ai pas pu venir, vous avez annulé mon rendez-vous ». On a essayé d'éviter, mais surtout, ça s'est passé pour quelques-uns de mes patients où il y a eu, d'habitude, je les vois une fois par an, où on avait élargi parce qu'il y avait des vagues successives. Et que je préférais, entre le rapport bénéfice-risque, ne pas vous faire voyager et rencontrer des soignants, surtout quand il y avait des pics. Et parfois, il y a eu des clusters à l'hôpital. Alors, pas chez nous, mais ça peut arriver. Ou dans les transports. Pédiatrique aussi, la question, quels examens seraient obligatoires avant la mise en place d'un traitement enzymatique? Là aussi, bien entendu, ça dépend du patient, ça dépend de son examen clinique. Il n'y a pas d'examen obligatoire, il n'y a que des examens fortement recommandés. Tout est parfaitement bien écrit, bien établi sur le PNDS de la maladie de Gaucher. Tous les médecins qui s'occupent de votre enfant sont normalement au courant. Donc, il y a certains examens qui sont recommandés avant la mise en place. C'est surtout pour faire un état des lieux de l'état de votre enfant en fonction des différentes atteintes et des
les différents organes touchés. Donc, il y a certaines choses qu'on recommande, il y a certaines choses qui sont à faire en fonction de l'état clinique de l'enfant. Après, le rythme de suivi, là aussi, bien entendu, ça dépend de l'enfant. C'est bien entendu minimum une fois par an pour les enfants. Et dans certains cas, on est amené à faire des examens de façon plus rapprochée, tous les 6 mois, si besoin, voire plus, en fonction, vraiment toujours, en fonction de l'état clinique de l'enfant. Donc, malheureusement, il n'y a pas de choses complètement... il n'y a pas de tableau que les médecins doivent suivre. Tout dépend de l'enfant. Il y a des recommandations qui sont sur le protocole national de diagnostic et de soins qu'on est en train d'actualiser. Et puis, voilà. Merci, Samia. Et maintenant, une question Covid à nouveau. Quelle est, une fois que l'enfant ou un patient a une infection Covid, quand est-ce qu'on vaccine à la suite, actuellement, selon les recommandations actuelles? Parce que ça change. Je crois que c'est 3 semaines à 1 mois plus 1. Non, 3 mois. 3 mois. 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Ouais, idéalement, ouais, il vaut mieux aller vers 6 mois pour finalement profiter de la vaccination comme d'un rappel vaccinal après l'infection. Ça permet de garantir une immunité plus prolongée. C'est ça, 3 mois. Et une dose normalement. Une seule dose, 3 à 6 mois après l'infection. Il y a quelques patients, on en a quelques-uns là, qui ont Covid entre la première et la deuxième injection. ça peut arriver. Madame Bachelot, hein, Roselyne. Eh oui, Roselyne. Ah oui, c'était le cas. Oh, bah alors. Elle a été vaccinée une semaine avant, je crois. Ouais, c'était trop court. Bon. Et pour la question, si un enfant a eu le Covid, combien de temps après doit-il être vacciné? Les enfants ne doivent pas être vaccinés. Pas vaccinés. On n'a pas d'indication. J'ai une question pour Samia. Est-ce que tu as vu ce qu'on décrit chez certains enfants, la forme très inflammatoire, là, ou pas du tout? Oui, les fameux Kawasaki-like. On est très confronté avec ces fameux syndromes, surtout au moment de la première vague. On a eu beaucoup de Kawasaki-like. Il y a eu beaucoup d'études sur ce syndrome-là. Et en fait, juste pour les gens qui ne connaissent pas, Kawasaki, c'est une maladie qui touche les moyens et gros vaisseaux. Donc, c'est une maladie inflammatoire avec un syndrome inflammatoire très important qui donne de la fièvre. Et on s'est rendu compte que les Covid-Kawa, comme on les appelle, ils ont plus d'atteintes cardiaque et ils finissent malheureusement plus facilement en réanimation. Donc c'est vrai que il n'y a pas de forme grave du Covid en soi, c'est-à-dire pour les enfants, sauf pour certaines comorbidités particulières comme les enfants drépanocytaires par exemple, où c'est vrai qu'ils font des formes plus sévères du Covid, mais c'est plus les formes post-Covid et les formes avec l'atteinte inflammatoire et donc ces fameux Kawa-Covid qui peuvent donner des formes plutôt cardiaques avec des myocardites, avec des enfants qui tolèrent très très mal la fièvre et qui effectivement peuvent être une entrée plus facilement en réanimation, mais ça reste quand même très, très minoritaire par rapport aux formes adultes. Donc, il y a très peu d'enfants qui ont été admis en réanimation pour les suites du Covid, voire du Covid lui-même. Donc, il faut retenir ça. La Covid, ça touche très peu les enfants. C'est vraiment le message à faire passer. Et que pour certains patients qui peuvent être plus malades parce qu'ils ont attrapé le Covid, c'est parce qu'ils peuvent attraper, ils peuvent être aussi malades tout en attrapant d'autres virus. Donc, ce n'est pas la Covid qui va faire plus de formes graves chez l'enfant, sauf pour les formes post-inflammatoires, donc tout ce qui est Kawasaki, etc. Et on entend moins parler, c'est qu'il y a moins de cas, parce que par exemple, moi, avec mes collègues dermatologues, la forme des engelures dont parlait Nadia, ils l'ont beaucoup vu au début et beaucoup moins maintenant. Ouais, pareil pour les Kawasaki, on en voyait beaucoup au début. Ouais. Peut-être qu'on avait sous-estimé le nombre d'infections initiales à la première vague par rapport à actuellement. Peut-être qu'on va les avoir encore. Peut-être que c'est une question de variants aussi. Peut-être que les nouveaux variants font moins de formes post-infectieuses. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas. Mais il y en a encore, des Kawa-Covid, d'accord. moins que pendant la première vague. En tout cas, en région parisienne. Une autre question, est-ce qu'un trouble neurodéveloppemental peut être en lien avec la maladie de Gaucher type 3, Samia? Oui, malheureusement, on sait que les types 3 peuvent donner des troubles du neurodéveloppement, quels qu'ils soient, avec des gravités différentes en fonction de la gravité de la forme de l'enfant. Mais oui, malheureusement, c'est possible. Un retard du développement psychomoteur, un développement qui n'est pas tout à fait normé par rapport aux autres enfants, mais tout ça se prend en charge, et plus vite c'est pris en charge, plus vite on peut améliorer les choses. Il faut savoir qu'il y a le trouble de l'oculomotricité qui peut vraiment gêner la scolarité. La plupart des gauchers type 3, par exemple, ne peuvent pas conduire parce qu'ils ont ce trouble de l'oculomotricité. Si ce n'est pas pris en charge tôt à l'école, ils peuvent être en retard.
Il y a Tani qui est gaucher type 3, qui a été stimulée depuis qu'elle est petite et qui est universitaire. Donc, il y a vraiment des choses qui sont liées à la vue, qui sont liées à des difficultés à l'école et qu'il faut prendre en charge très, très tôt. C'est très important. Et qui se prennent en charge parce que l'enfant a quand même une certaine adaptation qui est extraordinaire. Donc, il ne faut pas hésiter à les faire voir par des orthoptistes spécialisés, mettre des aménagements en classe. Il y a beaucoup de choses qu'il est possible de mettre en place pour aider tout enfant qui a un trouble du neurodéveloppement et particulièrement les troubles de l'oculomotricité. Il ne faut vraiment pas hésiter à en parler avec votre médecin. Il y a beaucoup de choses qu'il est possible de mettre en place. Entendu. Après, bon, mais du coup, on a répondu, je pense, aux questions du chat, les dernières questions quasiment. Après, bon, il y a de la croissance, il y a tout un tas de questions très, très spécifiques au cas donc, de cet enfant. Donc, la maman est en ligne. Mais vraiment, je crois que, enfin, autant que possible, il faut que vous ayez un accompagnement de votre pédiatre local et de l'environnement médical. Parce que vous avez beaucoup de questions, ce qui est tout à fait légitime. Mais on ne va pas pouvoir répondre à tout au cours de ce webinar, de ce séminaire. Mais on reste à votre disposition. Hein, si vous avez besoin d'aide, vous orientez localement. En Suède, moi, je peux poser des questions pour voir quel pédiatre peut vous accompagner. On pourra essayer de vous aider. Est-ce que d'autres questions Alors, il y avait une autre question, peut-être une dernière. Quel est l'avenir osseux, mais c'était en amont, l'avenir osseux de la maladie de Gaucher. Là, je vais peut-être laisser Nadia répondre, qu'elle connaît ça parfaitement. Alors, déjà, on ne connaît pas très bien ce qui se passe dans la maladie de Gaucher dans l'os. On ne sait pas si c'est l'os qui a du mal à se former, donc ça s'appelle l'ostéoblaste. L'os est toujours en formation et en destruction. Alors, il y a pendant la croissance qu'on appelle le pic de croissance qui arrive vers 16-20 ans où l'enfant, l'adolescent fait de l'os. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant qui a la maladie de Gaucher, il faut qu'il ait une ostéodensitométrie, une IRM pour voir l'infiltration osseuse. Il ne faut pas hésiter à le traiter, même s'il n'est pas très symptomatique par ailleurs sur d'autres domaines, s'il a une infiltration osseuse, parce que pour tout enfant, même non malade, avoir un bon pic de masse osseuse arrivé à 20 ans, c'est important. Donc, faire du sport, parce qu'on tire sur ses ostéoblastes avec ses muscles, avoir du calcium alimentaire, amandes au départ, fromage à pâte molle, et avoir de la vitamine D régulièrement pour avoir un os de bonne qualité, surtout dans le gaucher et surtout chez les enfants, chez les femmes enceintes qui doivent faire des fémurs, des colonnes vertébrales, et puis après la ménopause. Donc, faire de l'os de bonne qualité. Et en fait, dans le gaucher, on se demande si la substance qui n'est pas dégradée empêche l'os d'évoluer normalement, et puis s'il n'y a pas aussi une destruction osseuse. Et la troisième inquiétude, c'est qu'on se demande si le sérésame arrive à aller dans certaines zones osseuses. Quoi qu'il en soit, dès qu'il y a le meilleur traitement de la maladie osseuse du gaucher, c'est de traiter avant qu'il y ait des manifestations irréversibles. Parce que quand vous avez un tassement de vertèbres, quand vous avez une ostéonécrose, quand vous avez déjà fait des fractures, c'est que l'os, il est déjà abîmé. Donc vraiment, faire des IRM et des ostéodensitométries pour apprécier la qualité de l'os, c'est très, très important. Alors, actuellement, quand il y a une ostéoporose qui persiste, par exemple, malgré le traitement, on peut rajouter des traitements de l'ostéoporose, en particulier chez les femmes ménopausées, qui vont cumuler la maladie de Gaucher et puis la ménopause. D'accord ? La question qui se pose, c'est, et ça on va le voir avec l'utilisation de l'éliglustat, c'est est-ce que c'est une petite molécule qui est liposoluble et qui passe bien dans la moelle osseuse ? Est-ce qu'elle va mieux pénétrer que l'enzyme ? Et ça, c'est une question qu'on va suivre. Pour l'instant, je ne sais pas si on a assez d'indications, peut-être que Fabrice en sait, mais est-ce que l'éliglustat serait peut-être plus efficace que l'enzymothérapie ? Ça, c'est à voir. Quoi qu'il en soit, ceux qui ont une atteinte osseuse là maintenant, c'est irréversible. Alors, il y a les traitements symptomatiques et puis il ne faut pas en faire de nouvelles. Et puis, ce qu'on aimerait, est-ce qu'il n'y a pas un traitement antifibrosant pour enlever la fibrose osseuse, etc. Mais en tout cas, c'est très rare actuellement de faire des événements osseux quand on est bien traité. Quand on a une ostéonécrose, ben, on a une radio du bassin et puis à un moment donné, il va y avoir un pincement de l'arthrose
et il va falloir y avoir une prothèse. Quoi qu'il en soit, les traitements adjuvants sont très importants. Le calcium alimentaire, la vitamine D, un peu d'activité physique et ne pas avoir de maladies surajoutées comme le diabète qui favorise l'ostéoporose, comme la sédentarité qui favorise l'ostéoporose et faire attention à la ménopause. Merci. Je réponds en même temps à ce chat. Alors, une question. J'étais déjà sous traitement, mais j'ai quand même eu des infarctus osseux au niveau des tibias. Donc, ça aussi, tu peux répondre parfaitement. Il y a eu des études sur le registre. Oui, 2 à 3 %. Il reste des cellules de gaucher, peut-être, qui crachent un peu des cytokines. Et peut-être que le traitement n'y arrive pas, mais on ne comprend pas très bien le mécanisme de ça. Et c'est en gros les patients qui souffrent le plus, hein, là, qu'on ne devrait plus voir d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on se bat pour faire de la formation et de l'information, parce que dans une maladie rare, il faut avoir des jeunes médecins qui connaissent la maladie et c'est un éternel recommencement, parce que malheureusement, on voit encore des patients diagnostiqués un peu tard. Très bien. La dose maximale, alors une autre question. La dose maximale de sérésine dans le type 3 avec atteinte osseuse et cérébrale. Nous, on ne dépasse pas 68 kilos, mais c'est vrai qu'il y a eu des essais, peut-être, Christine, 90 unités dans certaines formes osseuses. Ouais, il y a eu… Il y a eu les Suédois qui ont fait des… Oui, mais je crois que maintenant, le consensus, ce n'est pas dépasser 60 unités kilos. Je sais qu'à Marseille, il y a encore un patient qui est traité à forte dose. Ce n'est pas un type 3, hein, c'est un type 1 avec une atteinte… osseuse malgré le traitement enzymatique depuis de nombreuses années. Lui, il les traitait à 90 unités kilo avec du miglustat. Enfin, c'était un patient qui était suivi par un de mes collègues. Voilà, ça existe exceptionnellement, mais je crois qu'effectivement, les recommandations, ça reste 60 unités kilo. Voilà. Oui. Et une dernière, je vois un commentaire aussi par rapport à tout ce que vous avez expliqué, Nadia. On parle de manque de vitamine D. Alors, bien évidemment, en dehors de, enfin, vu le contexte de la maladie de Gaucher, votre état osseux autrement, enfin, que l'on peut réguler par d'autres aspects, notamment l'équilibre de la vitamine D, eh bien, c'est très important pour que vous n'ayez pas, en plus du Gaucher, une carence en vitamine D. Voilà pourquoi c'est une vitamine qui va être suivie régulièrement parce qu'elle est importante pour le métabolisme osseux. Donc ça fait partie un petit peu de tout l'environnement que l'on doit surveiller pour que vous ayez un état physiologique le meilleur possible pour que ce tissu osseux puisse être le préservé le mieux possible et consolidé au mieux. Puis avoir une activité physique régulière, oui, aussi, bien sûr, hein, qui est bien quand sûr. Même le principe de base. Hein. Après, c'est l'hygiène de vie reste. Oui, mais encore plus vie, dans l'ostéoporose. Voilà, plus important. Ouais, il ne faut pas négliger le haut du corps dans l'activité physique, surtout chez les femmes après la ménopause, parce que les tassements dorsaux sont importants. Et on sait que tirer sur la masse osseuse en faisant de l'activité musculaire, ça stimule l'ostéoblaste, la cellule qui fabrique de l'os. Donc, soit chez le kiné, soit faire des petits mouvements, alors pas avec des gros poids, mais on néglige un peu la partie haute du corps dans l'activité physique. Pas de culturisme, donc ce n'est pas nécessaire, mais activité. Bien, je ne sais pas. Alors, vitamine D est prescrite pour une longue durée. Alors, en fait, si vous voulez, c'est une vitamine que l'on va suivre et pour laquelle, ben, si vous avez tendance à en manquer régulièrement, vous aurez des cures régulières de traitement. C'est une ampoule qui se boit tous les 14 jours pendant une durée de 2 à 3 mois. Et si vous n'en manquez pas, vous n'en avez pas besoin. Donc, c'est vraiment le dosage qui va vous permettre de savoir quelle est votre prédisposition à une carence en vitamine D. Ben, ça dépend de chacun. J'insiste pour la vitamine. En fait, il y a des recommandations d'en avoir tous les 6 mois minimum. Comment ? Il faut quand même continuer à en avoir une dose tous les 6 mois minimum. On est dans un pays qui n'est pas très très ensoleillé, donc il faut quand même que ça reste une recommandation pour tout le monde, pas que pour les maladies de Gaucher. Une dose tous les 6 mois, alors, c'est pas ce qui est recommandé chez l'adulte en tout cas. En tout cas chez le grand enfant. Grand enfant peut-être. 80% des gens qui sont en carence de vitamine D. 80%.
Et actuellement, il y a des dosages qui permettent des taux un peu stables plutôt que d'éviter des pics et en particulier d'avoir au début toutes les semaines et après tous les 15 jours et après tous les 2 mois. Pendant, voilà. Ça change assez souvent, mais en tout cas, on sait que soit des gouttes de dédrogyle, soit des petites doses tout le temps, c'est mieux que d'avoir des pics qui peuvent un peu être perturbants pour l'os. Je voudrais juste redire un mot sur le suivi par IRM, etc. Je souscris à ce que dit Marc et Christine et Samia. C'est pas un dogme ce qui a marqué dans le protocole national de soins. On a parfois des patients qui me disent mais j'ai pas eu mon IRM, j'ai pas eu, etc. C'est un indicatif, mais chaque personne, chaque malade est vraiment unique. Hein, ils sont suivis et on a montré que les patients traités depuis 10 ans, 20 ans, l'IRM ne changeait plus au bout de 5 ans. Donc, on va peut-être en faire moins souvent. D'accord ? Au début, on en faisait tous les 6 mois quand on ne connaissait pas. Au début, on faisait des prises de sang tous les 15 jours à chaque perf. Maintenant, on fait tous les 3 mois, après tous les 6 mois, etc. Ceci dit, ça reste une maladie rare. Il peut y avoir des comorbidités. Donc, il ne faut pas échapper au suivi. Ça, c'est clair. Bien. Du coup, je regarde si on a d'autres questions. Si vous avez une ultime question qui vous brûle, n'hésitez pas là, hein, parce que. Pour les enfants, la recommandation de vitamine D tous les 4 à 6 mois, voilà, pour manger de la mise en général, on fait le dosage. Mais ça peut être très régulièrement pris. Et pour la prescription de fer, alors là, pour la prescription de fer, il n'y a pas de recommandation spécifique d'un médecin gaucher. C'est quelque chose qu'il faut surveiller en fonction de l'hémogramme et puis du bilan que l'on fait régulièrement. Là encore, le traitement par fer, si on est en surdosage, peut être dangereux sur le plan de la santé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut adapter au dosage. Et s'il y a une carence, on supplémente. S'il n'y a pas de carence, on ne supplémente pas. Donc là aussi, ça fait partie de la surveillance biologique de routine. On va évaluer vos carences en vitamines diverses et variées et il faudra que le médecin vous prescrive les suppléments en fonction de vos résultats. Donc, c'est personnalisé en fait. Voilà, je crois qu'après, il y a des remerciements. Je profite de l'audience pour dire que en tant que patient, c'est important que vous ayez sur vous, quand vous allez voir un spécialiste, votre dernier compte-rendu du centre de référence ou du médecin, parce que les médecins ne connaissent pas la maladie. Et nous, on vous fait des courriers qu'on vous envoie. Et c'est important, quand vous allez voir un spécialiste, que vous ayez votre dernier examen biologique et que vous ayez votre dernier traitement. Si vous avez ces 3 paramètres dans un parapheur ou même dans une chemise, pas besoin de les classer, pour nous, c'est unique, hein. Moi, je vois d'autres maladies rares et parfois le médecin me dit oh, j'ai une maladie rare, mais je ne sais pas, etc. Et on est perdu et ça fait manquer. Donc, d'être un petit peu partenaire, je sais que c'est parfois compliqué parce qu'on n'a peut-être pas envie de se trimballer avec tout ça, mais il faut savoir que beaucoup de spécialistes ne vont pas connaître la maladie rare. Juste pour. J'en profite aussi de du fait que vous soyez connectés, vous soyez assez nombreux. Nous insistons au CETG pour 2 outils qui sont très importants pour nous pour comprendre mieux la maladie et faire progresser les connaissances. C'est le registre français d'Amédine Gaucher. Donc, comme vous le savez, c'est Nadia Benmatoub et Jérôme Christian Neumann qui le gère et qui permet d'avoir une vue globale sur la cohorte, de comprendre un peu comment se comporte l'évolution des patients. Pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent m'entendre. Et la deuxième chose, c'est on vous propose aussi, par vos médecins, de participer à une collection biologique qui permet d'avoir des échantillons de sang et pouvoir participer à des protocoles de recherche dans lesquels on va faire des analyses. Voilà. Je vois que, donc, si vous voulez parler, c'est ça, vous avez levé la main. Jean-Louis, vous voulez parler, Jean-Louis Lassier, je crois. Non ? Oui. Il a un micro qui est fermé. Ah. Alors, par contre. Est-ce que sa connexion ne fonctionne pas bien ? Je ne sais pas comment. Moi, je n'ai pas l'accès pour ouvrir son micro. Ça y est, je vous ai réactivé, monsieur Lassire, normalement. Ah, vous avez. Vous m'entendez là ? Oui, voilà. Je vous en prie, allez-y. D'accord. Bonjour à tous, hein, puis merci de prendre de votre temps. Voilà, donc, enfin, moi, c'est mon cas personnel, je ne sais pas si je peux le mentionner.
Je me fais vacciner normalement lundi avec le Pfizer. Donc, j'ai un certificat médical de Nadia. Bon, a priori, en termes de comorbidité, je pense que je suis bien servi. Est-ce que je dois y aller sans crainte et voilà, est-ce qu'il faut absolument que je le fasse? Oui. Me posant encore quelques questions. Et je me dis que pour ce qu'on peut attraper par la suite, c'est une loterie où on arrive quand même à voir un petit peu ce qui va se passer, en fait. Alors, c'est quoi la crainte, en fait? La crainte, c'est d'attraper des effets secondaires, style thrombose et tout ça, parce que j'en ai déjà eu aussi. Alors, avec Pfizer, normalement, avec Pfizer, ce n'est pas relaté. Et là, le risque du Covid grave avec une splénectomie, avec des autres facteurs de risque sont immenses, hein, vraiment. C'est le type de patient qu'on peut voir en réanimation, d'accord ? C'est pour ça que j'ai un... splénectomisé, il faut le faire. Ah oui, oui. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Oui, c'est hypertension, diabète, surcharge pondérale, autres facteurs, voilà. Donc, j'ai gagné le gros lot. Ils sont immenses. Et à la limite, moi, c'est les patients que j'ai comme ça avec Samira, on les a. Alors, il y en a beaucoup, moi, dans les maladies auto-immunes, mais j'ai fait un listing et j'ai regardé, et je les ai appelés. Et quand ils m'ont appelé, j'ai fait le certificat très vite. Hein. Et en pratique, puisque vous dites que vous avez des antécédents dont de thrombose, vous avez un traitement antithrombotique ou anticoagulant? Non, d'accord, c'est une question. Bah, pourrait dire, mais bon. C'était des thromboses sur des cathéters. Ah, d'accord. Donc, des porte-à-cathéters, etc. Voilà. Ah oui, donc c'est pas une prédisposition voilà, à des thromboses. Donc, vous avez beaucoup plus d'avantages à faire la vaccination, comme le disait très bien Nadia, qu'à ne pas la faire. C'est évident. D'accord. J'avais une autre question, parce que j'ai suivi un petit peu l'actualité. Concernant le Pfizer, la façon de stocker ce médicament, bon, a priori, maintenant, il disait qu'il n'y avait plus besoin de le mettre à moins 70 degrés ou je ne sais pas quoi. Là. Je ne sais pas si c'est le Moderna, je pense. Est-ce que ça a une incidence? On peut le mettre maintenant dans un simple congélateur. Ils ont autorisé, mais pour un temps court. Court, voilà. De baisser la. On pouvait le conserver à plus petite température. Localement. Localement. Juste avant, juste avant utilisation. Sinon, la conservation est à moins 80. Hein. C'est un peu plus. C'est même une à deux semaines. Il peut être conservé à plus petite température pour faciliter d'utilisation. Mais donc, on ne sait pas si ça peut avoir des incidences négatives sur les patients. A priori, non. Je pense qu'ils ont fait cette autorisation-là parce qu'ils ont dû étudier la qualité du produit après maintien un certain nombre de temps à plus petite température. Ils sont même probablement allés à des températures encore plus élevées pour voir, et puis par sécurité, ils gardent. Mais c'est pas sorti comme ça, à mon avis, il y a eu une étude. En pratique, les autorisations ne peuvent pas se faire comme ça. Si je vous donne un ordre d'idée, par exemple, quand on dit que c'est 6 mois à moins 80, c'est un peu comme les yaourts, c'est-à-dire qu'on sait que au bout, vous avez une date de péremption, mais vous pouvez les manger encore après, hein, d'accord. Donc en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est certain que le produit ne va pas bouger à 100% des cas pendant cette durée et à cette température. Donc quand c'est étendu ou quand c'est modifié pour une période donnée, c'est toujours sur des arguments, enfin des essais. Hein. Ça peut pas être comme ça de décider, tiens. Aujourd'hui, on va le faire de cette façon. D'accord. Est-ce que l'on peut avoir une réaction allergique après des années de traitement sous sérésime? Alors, moi, je n'ai pas vu ça, mais... Non, c'est exceptionnel. En général, c'est les deux premières années et c'est exceptionnel. Moi, je n'en ai jamais vu. J'en ai vu la première année, mais c'est tout. Moi, j'ai eu une patiente qui a fait... Oui. C'était pas vraiment une réaction allergique, mais qui, après de très nombreuses années, hein, au moins 5 ou 6 ans de traitement par sérésime, a commencé à faire des problèmes respiratoires au cours de la perfusion, ce qu'on appelle des désaturations.
Elle est revenue le faire à l'hôpital, du coup, on a contrôlé ça, ça a duré très peu de temps, on a eu beau baisser le rythme de la vitesse de la perfusion, mettre des anti-allergiques, mettre du paracétamol, etc., rien n'y a fait, on a donc été obligé de la switcher et on n'a jamais compris ce que c'était, elle n'avait pas d'anticorps anti-sérésime, voilà, on n'a jamais eu d'explication. Ce n'est pas ce qu'on peut appeller une réaction allergique. Je disais, ce n'est pas une réaction allergique, mais on l'a considéré comme un effet secondaire, mais à long terme, alors que c'est vrai que normalement, les effets secondaires sont très précoces. Dit que sa fille a fait au début de son traitement une urticaire généralisée. Alors effectivement, il peut y avoir une réaction cutanée, ça a été décrit, qui est en général vraiment aux premières perfusions. La première, deuxième, troisième perfusion, et ensuite ça disparaît. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir d'urticaire à chaque fois, pratiquement. Il y a des patients qui gardent un urticaire après chaque perfusion. Ça diminue un peu au cours des ans. Je crois qu'elle n'est pas loin, d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Et elle a gardé très longtemps un urticaire et parfois ça revient. Ouais. Mais elle a intérêt un peu à. Entendu. Si tout le monde est d'accord, on va peut-être. Il est 13h. On va peut-être arrêter là le webinaire. Merci à tous. Alors, merci aux patients, évidemment. Merci. Alors, vraiment, merci à vous, beaucoup de monde, 46, 49 personnes. C'est vraiment très important, y compris pour nous, de vous avoir autour de nous et de pouvoir discuter avec vous. Mmh. Et puis, en espérant que la prochaine réunion puisse se faire en présentiel, qu'on puisse vous voir. Et qu'on se voit, nous, avec les collègues, parce qu'on ne se voit plus, on ne voit que comme ça. Ouais. Au revoir à tout le monde. Et au revoir. Merci encore. Merci. Bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Une fois que l'enregistrement sera bien calé, on vous enverra les liens. Et on pourra revoir aussi les topos, les diapositives, en tout cas me concernant, elles seront à votre disposition aussi, bien sûr. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.